Hey, salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On va partir du coup dans quelques instants pour le live. Voilà, je vous mets les résultats du vote. Donc continuez les gars à voter. Allez. Donc pour le moment, vous êtes plutôt chaud pour faire un petit peu de tout. Donc bah, écoutez, on verra après, je vous mettrai d'autres stropoles pour les My Tour, voir les équipes qu'on prend, etc. etc. Donc bah, voilà. Hop, je vais couper ça. Tac. Allez. Donc on va faire un peu de tout, a priori. Vous êtes déjà 27 sur le live, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, on va regarder tout ça. Hop. Allez. J'ai mis le chat. Donc, je vous vois tous. Salut, salut, salut. Avec OBS, voilà. Je le fais avec OBS. Donc j'ai un petit j'ai fait pas mal de trucs et j'arrive à faire tout ça. Salut à Lucas qui a envoyé un message du coup sur le live sur la play. Alors ben vous êtes 28 pour le moment. Ça fait plaisir, continuez à ramener, j'ai partagé de toute façon sur Twitter. Allez, on va partir. Donc je sais pas combien de temps, on va se faire peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Donc je vais vous mettre du coup le. Je vais vous mettre le. Comment dire? Le live. On va le commencer. Donc on va faire un petit peu de tout. Du coup, vous êtes plutôt chaud pour faire un peu de tout. Donc on va partir dans quelques secondes pour ça. Je regarde mon PC qui a de la charge. C'est bon, le PC portable, il a de la charge, donc je vais pouvoir lire le chat. Donc on va commencer, on va tester un peu de multi, voir si ça marche. Je ne sais pas si ça va très très bien marcher. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. On va voir ça. Alors, le Cycling Series pour le coup. Hop, je vais mettre un visu quand même du live à côté, histoire de voir si ça marche bien. Alors. Du coup, bah, j'ai refait mes équipes par rapport à la vidéo de la semaine dernière, puisqu'ils m'ont reproposé les équipes que j'avais avant. Donc, j'ai pas tout à fait compris, je vous l'avoue, mais bon. C'est pas très grave. Donc, bah, en sprint, j'ai Sagan Matthews. En vallon, j'ai Valverde Wellens. Mais regardez les notes que j'ai mis à Valverde. Il a 84,2 en vallon. Wellens, c'est plutôt chaud aussi. Et en montagne, j'ai Pino Lopez avec Yates, Bardet, Uran, Nibali, Barguil et Bernal en équipier. C'est plutôt solide, hein. Ça lui fait 84 en montagne à Thibaut Pinot. Salut Loïs, comment ça va? Donc on va partir, on va essayer de démarrer une partie. Je sais pas si ça va bien marcher. Des fois j'ai de la chance, ça marche. Des fois j'ai pas de chance, ça marche pas. Donc voilà. Si ça marche pas, on réessaye une fois, deux fois. Et à la troisième, ça marchera peut-être pas. En tout cas, on attend toujours la prochaine mise à jour. Salut Florian. Donc hier, ceux qui étaient sur le live, bon, premier essai, ça marche pas, on va retester. On parle un peu des start list pour la Vuelta. Donc ça y est, il y a quand même un peu plus de choses qui ont été dévoilées. Ouais, j'avais dit 14h plutôt, j'avais dit 14h, bon là, finalement je commence un peu avant. Donc confirmé du coup pour Movistar avec Valverde, Quintana, Carapaz, Soler, Arcas, Pedrero, Oliveira, Herviti, c'est solide. Et du coup, il y a Fuglsang, Lopez. Et les Izaguirre, donc grosse équipe Astana par contre, là j'étais pas pris, Fuglsang c'était pas dit. Pas leader en montagne du côté de Bahreïn. Nous, moi, enfin, moi je le ferai avec la Bora du coup comme je vous ai dit. Donc on aura Archbold, Bennett, Drucker, Formolo, Groschattner, Maika, Mühlberger, Polanski, franchement solide aussi. Autre équipe qui a confirmé, bon c'était à Mitchelton, on l'avait déjà vu.
Toujours pas de plus hein, du côté de Ineos. Pogačar a priori et Haru du côté de Emirates. Pas de leader en montagne du côté de Trek. On aura Haig, on aura Brambilla et compagnie. Ouais, franchement, c'est pas très très lourd la startlist de la Vuelta. C'est un peu faible à mon avis. Donc bah, on verra tout simplement. T'as pas Bourman? Non, il n'y a pas Bourman. Il n'y a pas Bourman, il n'y a pas Bourman. Ouais, il y a deux bons baroudeurs, je veux dire, mais comme leader français sur la Volta. Il n'y a que la Tour, hein, du coup. Parce qu'il n'y a pas de Bardet, il n'y a pas de Pinot. Barguil, son équipe n'est pas invitée. Donc, on va dire, le leader français, ça sera la Tour. Faire un top 10, Pierre Latour, il est bien revenu. Après, il y a Ken Ilison de côté Ineos. Pour le moment, Ineos, c'est Kiryienka, De La Cruz, Geoghegan-Hart. Et ils sont, du coup, Rosa et Castroviro. Pas impressionnant non plus, hein. Ouais, voilà, la tour top 10, je pense. Après, le reste, ça risque d'être compliqué quand même pour la tour. Allez, on va partir. Donc, je vais pas trop pouvoir lire. Non, il n'y a pas d'Emma, je crois. Enfin, attendez. Je vais vérifier. FDJ. Pour le moment, FDJ, c'est Ludvinson, Franchini, Sarro et Morabito. Donc, pas de démarre de prévu. Je pense pas qu'il y ait Arnaud. Et du coup, on n'a pas de Nasser Bouhanni non plus côté Cofidis. Est-ce qu'il y a Christophe Laporte côté Cofidis? Non, même pas. Il n'y a que 3 Français côté Cofidis. Voilà, après ils ont préféré mettre les Espagnols. Bah après, au moins, on aura une surprise peut-être. Mais je trouve qu'il y a deux équipes qui sortent du lot. C'est l'autre, enfin, Visma. Après, comme je l'ai dit, Visma, le problème, c'est qu'ils ont un petit peu de. Ils ont un Roglic. Et Roglic, pour moi, c'est pas l'idéal sur la Vuelta. Ça m'étonnerait qu'il passe bien l'école de la Volta Primoz Roglic. C'est plus des cols qui conviennent à un mec comme. À un mec comme peut-être Lopez plutôt qu'un Roglic. Roglic, il préfère les cols roulants. C'est que c'est un peu plus dur l'école de la Volta. Il n'y a pas Godu non plus. Il n'y a pas Godu. Voilà, après, c'est vrai qu'on a eu tellement une startlist importante sur le Giro et sur le Tour que derrière, bah, c'est un petit peu plus léger forcément. Allez, on va demander à Wellens d'attaquer et nous on va y aller aussi avec Valverde pour suivre les Nassen et Lopez qui sont partis devant. Allez voilà, si on peut les rejoindre ces coureurs-là, ça peut être bien. Voilà, on est revenu déjà sur Team Wellens, notre équipier. Et franchement, Valverde, je voulais montrer hein, les 84 en vallon. Ça fait très mal. Ça fait très mal, ça fait très mal. Après voilà, moi je pense que Lopez pour moi très très grand favori parce qu'il y a quand même une grosse équipe. Il y a Fuglsang à côté de lui. Après peut-être Fuglsang aussi peut faire la surprise, mais je sais pas qui sera le leader en fait. Pour moi je pense que c'est allait être Lopez. Après ils ont aligné Fuglsang ce matin en confirmant la startlist. Avec également un gars comme... enfin les frangins Izaguirre. En plus des frangins Izaguirre, bah, il y a quand même du très très lourd. Il y a Luis Leon Sanchez, etc. Franchement la startlist est plutôt sympa hein, chez Astana, à mon avis, c'est objectif victoire finale, clairement. Donc, on verra tout ça. Allez. Ouais, bah, c'est un bon choix pour Dumoulin. Après, voilà, je suis un peu dégoûté qu'il parte de chez Sunweb. Mais bon, il sera leader et je pense que il pourra gagner un nouveau grand tour, je pense. C'est chez Jumbo, parce qu'il y a une meilleure équipe en montagne, etc. Donc, c'est pas un mauvais choix, je pense, pour lui aussi. Allez, regardez, on est en train de revenir sur le duo Nassen et Lopez qui est parti devant. Voilà, parfait. Allez, il faut que Wellens y reste là. Regardez, Sam Bennett. Voilà, faut qu'il collabore comme ça, la team Wellens. Il reste encore un petit kilomètre. Et nous, avec Valverde, on va commencer un peu à se mettre en danseuse. On est en dernière position du peloton. Et allez, on va le faire attaquer là, Team Wellens. Avec Valverde, on a encore un peu de jus. Est-ce qu'on va pouvoir passer devant Miguel André Lopez? Eh non, on va faire 2. Et Wellens, il fait 4, malheureusement. Il ne met pas de points du coup. Bon, bah écoutez. Au moins, ça s'est regroupé. On a perdu Bennett et Nassen. Nassen qui avait enflammé le début avec Lopez. Ah non, mais c'est pas le même, c'est pas le même, c'est le coéquipier de Lopez, excusez-moi. On a Ewan qui vient de se faire distancer là aussi. Allez, Quintana qui roule.
Si, c'est officiel, Jumbo, et ça a été confirmé ce matin que c'était chez Visma. Ouais, ça a été confirmé ce matin, je suis un peu dégoûté aussi, mais bon, après, c'est une équipe que j'aime bien quand même, l'équipe Jumbo. En plus, il y a pas mal de Néerlandais, donc je pense qu'ils s'entendront plutôt bien. Ça peut être sympa, je pense qu'il va retrouver un second souffle. Après, c'est qu'il a fait une mauvaise année, parce qu'il a été blessé toute la saison, parce que je pense que pour moi, c'était l'ultra favori du Giro. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour le moment, si on en reste là, on peut gagner, on peut faire une très très bonne perf, ça, sur cette course, hein. Allez, regardez, on attend avec Willens, on a Valverde, et, mine de rien, on est plutôt pas mal. Et Janssen qui s'est imposé hier sur le mur de Gramont. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui va le remplacer, parce qu'ils ont recruté pas mal de pépites. Ils ont fait un bon recrutement au niveau de pépites, on va dire. Il y a Sutterlin aussi, je crois, qui arrive. Après, Hirschi qui est très costaud. En fait, c'est surtout des coureurs d'avenir qu'il y a. Ils vont pas recruter, je pense, un gros gros coureur. Là, ils se concentrent vraiment sur des pépites et peut-être la saison prochaine, ça sera pas suffisant. Quoique Hirschi a fait quand même un très bon Big Bang Tour. Il montre qu'il est complet partout. Mais après, je pense que d'ici une ou deux saisons, les coureurs qu'ils ont recrutés, ça va être sympa. Allez, on est dans ce deuxième tour. Je dis pas trop, mais ça, j'ai gaffe parce que c'est que là, on peut pas trop faire de pause et tout. Donc, il faut que je reste concentré. Après, on fera peut-être quelques défis. Des My Tour. Voilà. Allez. La bonne descente. On a pris quelques secondes d'avance là avec notre Valverde pour le coup. Allez, Wellens qui est distancé. Quintana et Nason qui reviennent sur nous. On peut se permettre d'attendre le sprint hein, avec Valverde. Puisqu'on est le plus fort théoriquement. Ah non, c'est Nason, c'est pas Lopez tout à l'heure qui a marqué les points. Je pensais que c'était Lopez. On va se faire totalement avoir. Pour pas marquer les points. Si, on va passer premier finalement. Hop. Et voilà. Wellens, il a bien suivi. Et maintenant, il reste le dernier tour. On va rester tranquille là dans ces 10 derniers kilomètres. Nason qui essaye de faire le forcing. Regardez, il nous reste encore un poil de jus avec Alejandro Valverde. Allez, regardez, on est très très bien placé. Je lis pas trop vos coms les gars là parce que. C'est un peu chaud de faire les deux en même temps, mais après qu'on fera des My Tour, des trucs comme ça, j'essaierai de le faire. Allez. Regardez Quintana, qui est vraiment pas malin. Il est fort Quintana. Et derrière, les sprinters ont été lâchés. Regardez, là, ça commence à devenir compliqué pour Oliver Nassen. Et c'est son équipe qui nous met la pression depuis le début. Donc, attention, ça serait bien de récupérer un petit peu. Que Wellens récupère aussi un petit peu. En tout cas, on est le plus fort avec Valverde. Ça, c'est sûr. On les a alignés sur le dernier sprint. Regardez, Lopez, il se sacrifie un petit peu là. Ensuite, je crois que j'ai pas mal de pièces. Donc, on ouvrira des petits packs. On ouvrira des petits packs après. Essayer de choper du lourd. Allez, on va demander à Wellens d'attaquer pour leur mettre un petit peu la pression. Allez. Allez, on essaye d'y aller là avec Tim Wellens. Voilà, on a pris quelques mètres d'avance. Et derrière, c'est qui fait l'effort? C'est Oliver Nassen. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. On fait faire l'effort à notre adversaire, on va dire numéro 1. Sur cette course. Donc, c'est pas plus mal.
Allez, on a une belle avance. Allez, devant. On continue de faire l'effort avec Tim Wellens. On va même lui demander, voilà, d'attaquer un petit coup. Nassen essaye de rentrer. Allez, nous on va y aller avec Valverde. Et on devrait remporter ce. Regardez, il est déjà là-bas. Et nous on essaye de revenir. Regardez, Valverde le plus puissant. Hop. Et on va faire 1 et 2, je pense. 1 et 2. À moins que Nassen ait un très bon coup. Voilà, victoire, on fait 1 et 2. Non, non, c'est du multi. Le titre, c'est pas PSM, c'est live, il y a marqué Live Tour de France. Il y a marqué Live Tour de France, les gars, je dis pas de bêtises. Si, hein, moi je me trompe. Total. Ah, j'aimerais bien Dumoulin, mais je pense que l'année prochaine, Pinot pourrait être intéressant. Après, il faudra voir le parcours. Non, il y a marqué Live Tour de France. C'est pas Live PCM, Amaury, je sais pas. Où t'as vu ça? C'est pas grave. Wout van Aert, je sais pas. Donc on a Ventoso, Sabatini, Hansen. Bon, c'est des coureurs que j'ai déjà. Nouveauté, on a Haga, Velten, Dune, Antunes, Meussen. On a donc ouais, des nouveaux entraîneurs et tout. Allez. Hop. Et on va aller ouvrir quelques petits packs. On va s'ouvrir un pack coureur, tiens. Bah, je sais pas, il y a un bug alors. Ah ouais, je pense qu'il y a un bug. Je t'ai répondu, Emiliano, je t'ai dit, j'aimerais bien du moulin. Après, je pense que Pino, ça peut le faire aussi. Ouais, YouTube a un bug parce que j'ai tout modifié. C'est un peu bizarre. Bon, pas très grave. On va faire comme ça. Hein. Adam Yates. Simon ou Adamus, je préfère qui? Aucun des deux. À quand? C'est demain l'épisode 8 de la Quick Step avec les Flandriennes. Allez, Fineto, on l'a déjà. Gesink, troisième fois. Landa, Courtel. Ouais, ok, c'est que des coureurs qu'on a déjà. Ouais. Bol, cinquième fois. Et on prend que des coureurs qu'on a, c'est incroyable. On va pas avoir un nouveau. Tiens, Hirschi, la petite pépite, il est là. Tout non là. Le Berger, c'est nouveau. De Clercq. Geraint Thomas, nouveau coureur donc. Après, le problème, c'est que je n'ai pas utilisé. Il me faudrait un sprinter. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est que je veux un sprinter, moi. Pour compléter mon Sagan Matthews. Ouais, c'est pas avec Chimolai que ça va le faire. Hein. Bon, ben voilà. Pas terrible ce pack. On va en rouvrir hein, du coup. Hein, parce que là, c'était pas. Hein. C'était pas fameux, fameux. Alors, je vais juste faire quelque chose. J'ai mon ordi pas tout à fait en face de moi. Donc, je vais faire ça. Comme ça, voilà, je vous vois. Allez, Tony Martin. Ouais, je vais mettre la rediff du live. Mon Morabito, Van Mark. Bon, on va faire ça, clairement. On va tout ouvrir parce que là, il y a tout que j'ai déjà. Nouveau, donc on a Hamilton, Kreuziger, Yuraï Sagan. Ouais, c'est bien, c'est une carte spéciale, mais bon, je l'ai, j'ai déjà. Sterling. Ouais, Sivakov, ok, mais bon. Ouais, toujours pas un gros sprinter, hein, malheureusement. Compliqué. Bon, les gars, on va lancer une dernière petite course en multi, en espérant que ça marche. Attendez. Hop, parce que j'ai vu que j'avais les contrats enfin, l'équipement. C'est celui-là, Alios, ok. Alors, montagne. Alors, plus 4 courses. Voilà. Et Alios, vallon. On va mettre la montagne.
Voilà. Là, ça va envoyer peut-être un peu plus. Allez, on va tester de faire une course. Ça serait bien de tomber sur une petite vallon, pourquoi pas. Une petite montagne, ça serait cool. Ouais, le train de la Jumbo, il va être sympa. Merci Clément. Ah bah c'est encore du vallon. On va mettre notre monstre Valverde. Regardez la cohésion 4 sur 5. Franchement solide. Salut, salut à tous. Ça fait plaisir les gars, vous êtes pas mal. Donc après on fera je pense des petits my tour, des trucs comme ça. Voilà. Je vous remettrai un petit sondage tout à l'heure pour l'équipe. Quoique, sinon ouais, je regarderai un petit peu dans les commentaires ce que vous proposerez tout à l'heure. Ah bientôt les 20 000, il y a le temps. On est à peine à 10 300 je crois. Ouais, ça fait en haut 10 320. Donc on verra, on verra. Salut, salut à tous ceux qui arrivent. Allez, ça va se lancer là dans 10 secondes. TDF avec AG2R. Ouais, après AG2R, le problème c'est qu'il n'y a pas de sprinter. Donc on va faire, je pense, des petits my-tours. J'en ai fait un avec Bardet la semaine dernière. Il y en a un avec Bernal qui arrive. Un pro leader polyvalent, non, parce qu'il y a le pro cycliste qui est polyvalent, on va dire. Donc Martin de Jager, d'ailleurs, je vous propose d'aller le voir parce que franchement, c'est un truc qui me prend beaucoup de temps à faire. Et je trouve que ça change un petit peu. Donc allez le voir aussi, le pro leader Martin de Jager. C'est un pro leader que j'avais commencé en fait sur le PSM 2018. J'avais fait une DB Cyclocross. D'ailleurs, on va peut-être faire une DB Cyclocross cette année. On va essayer de faire ça. Donc voilà. Et je l'avais commencé tout simplement sur la DB Cyclocross. Avec un voilà. Et je l'ai fait passer sur la route un peu, voilà, comme Van Der Poel, etc. Ouais, je sais, il y avait un petit bug de son encore, donc ça c'est mon logiciel des fois qui fait des conneries, et même si je refais le montage 2-3 fois, ça le fait, donc des fois voilà, ça met des espèces de screamers, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. Allez, donc Marseille, on va essayer d'envoyer direct avec Valverde. Et Mollema me suit, hein, ça suit, bien joué, parce qu'on est sorti avec Timolens, c'est d'ailleurs, on a mis en difficulté le groupe là. Allez, parfait. Forcément, le Dumoulin et le. Les deux Dumoulin d'ailleurs, qui ont leurs équipiers Mollema devant. Pas réagir. Ce mode est en ligne. Ouais, ça c'est le. Ça c'est en ligne ça. Allez, derrière ça va revenir au prix d'un bel effort là du coéquipier de Mollema, non? Non, c'est Froome qui roule. Et Nibali distancé. Allez, on est revenu. Un my tour avec Porte, ouais, pourquoi pas. Ouais, Arkea, ça peut être sympa aussi. Ouais, du coup, je vous parlais du pro leader de Jager. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que ça va arriver encore. Parce que ben voilà, c'est assez long à faire. Semaine dernière, on a eu un bon Milan San Remo et tout. Le prochain, ça sera les Flandriennes, de toute façon. Donc, on essaiera de faire une bonne perf aussi. Franchement, enfin, je reviens toujours pas de comment j'ai gagné sur le Milan San Remo. Hein, parce que c'était chaud. C'est vraiment la truc en descente là, la descente spéciale qui m'a fait du bien. Allez, le virage. Allez, le sprint de Valverde. Est-ce que Wellens peut revenir? Et voilà, on fait 1 et 2. Valverde, Tim Wellens. C'est parfait. Bah Pino, Landa et tout, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait des my tours, donc je vais essayer de faire des équipes que j'ai pas encore pris ou quoi. Cette semaine, je sais pas vers quelle heure j'arrête, je pense vers 16 h, un truc comme ça. Cette semaine du coup il y aura des my tours, donc il y en a un avec Bernal, il y en a un avec Jalabert aussi, hein, avec Alaphilippe qui est prêt. Et je vais essayer de vous en préparer un pour la semaine prochaine avec Bernard Hinault. J'avais une idée aussi de faire une espèce de tour 89, ça veut dire prendre Fignon. Fignon, Les Mondes, on verra, je vais essayer de faire pas mal de my tour parce que, mine de rien, c'est un truc que vous kiffez avec Remco, vous avez bien kiffé,
Je voulais peut-être en faire un avec Pogacar. Après, il faut savoir que bah, du coup, cette semaine, il y a encore le Pro Team qui va arriver. Il y aura un épisode de Pro Leader aussi. Le début de la Volta et le Tour 2003 aussi. Le Tour 2003, c'est vrai. Le deuxième épisode avec Christophe Moreau. Alors là, les gars, je suis un peu dans la descente, donc ça va être un peu chaud pour lire vos commentaires. Allez, hop, on prend les équipes qui sont en supériorité numérique pour rouler. J'en ai fait deux de live PCM, j'en ai fait un hier et un jeudi, il me semble, ou vendredi. On verra les gars après pour les My Tour qui je prends. Par contre là je me suis bien fait piéger avec avec Tim Wellens, il est derrière le pauvre avec avec Bokemo les mains. Allez, on va essayer d'enflammer tout ça, de revenir sur Tom Dumoulin. Théoriquement on est plus rapide que lui, surtout quand on a Valverde. Voilà, est-ce qu'il va essayer de me passer? Ouais, il essaye de me passer. Théoriquement, voilà, on est plus rapide que lui. Allez, on va continuer notre effort, mon petit. Si tu veux. On a pas mal de points d'avance là, donc on peut se permettre. J'ai des séries PCM en cours. Ouais, bah du coup, j'ai commencé un tour en mode 2003 hier avec une DB 2003 avec l'équipe Crédit Agricole. J'ai un pro cycliste. Mais il n'y a pas marqué Pro Cycliste sur ta. Enfin sur la miniature, c'est Martin de Jager des sous-bois à la route. Donc j'avais commencé en fait ce Pro Cycliste sur le PCM 18 sur une DB Cyclocross. Et justement je le fais découvrir un petit peu la route avec un profil à la Van Der Poel Van Aert. C'est-à-dire bon puncher, bon sprinter, bon sur les pavés. Et ensuite ben, j'ai la carrière du coup avec avec l'équipe de Koenig Quick Step. Le but de ce mode, ben en fait, c'est une course au point, un petit peu comme un cyclisme sur piste, en fait, course au point. Ben là, tous les tours, il y a un sprint en fait avec des points. Et au fur et à mesure des tours, il y a de plus en plus de points marqués. Et à la fin, celui qui a le plus de points, il gagne. Donc, il y a plusieurs types après de courses. Donc, il y a du vallon, comme celle-ci et celle qu'on a fait tout à l'heure. Après, il y a de la montagne, du plat. Et là, en fait, après, on a des packs. En fait, c'est un peu comme un mode fut. Il y a des packs, il faut avec des équipements. On peut faire progresser nos coureurs avec, on va dire, des espèces d'entraîneurs, des cartes boost, etc. Et pour les booster, par exemple, la Valverde a 84 de vallon avec les plus que j'ai mis. En fonction s'il s'entend bien avec ses coéquipiers, avec ses coachs, etc. Donc voilà, un peu comme un mode fut, ceux qui jouent à fut. Voilà. Non, c'est pas un jeu de cyclocross, c'est que sur PCM 2018, j'avais créé une DB cyclocross. Mais je vais essayer de. Je viens de l'expliquer, Tristan, le but du mode. Et. Ouais, il faudrait un parcours pavé, c'est vrai. Et ouais, j'avais créé une DB cyclocross sur PCM 18. Normalement, pour ceux qui avaient kiffé la DB cyclocross, bah, je vais en recréer une pour le PCM 19. Avec le mec avec qui on l'avait fait, avec Toto. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça change du PCM classique. Allez, on va essayer d'aller mettre les points avec Valverde. Normalement, c'est faisable. Allez, combien de points on va mettre? On va en mettre un seul avec Tim Wellens. Voilà. La DB Cyclocross était cool. Ouais, bah, je vais essayer d'en refaire une de DB Cyclocross. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc là, qui c'est qu'on prend? Nouveau, on a Matisse du coup. Voilà, c'est Yann Hirt. Donc pas ouf. 200 de récompense. On n'a pas encore de quoi ouvrir un pack. On va repartir pour une petite course en multi. Tiens, ça peut être sympa. Ouais, ben on va essayer de refaire une DB cyclocross avec, avec l'ami Toto du coup. C'est vrai que c'était cool. Mais bon, après voilà, ça prend du temps à faire parce qu'une DB cyclocross, ben, faut faire les courses, faire les maillots. Faut faire la DB et tout, donc c'est un peu long. Donc ça va pas arriver dans 2 semaines, ça va peut-être arriver dans, allez, dans un mois et demi, tout cassé. Mais j'aimerais bien la sortir avant le. Les coureurs que tu veux, tu fais une startlist, tu vas dans dans l'éditeur, tu vas dans l'éditeur.
Bah après, ouais, donc bah, on va essayer voilà, de vous en faire une. De toute façon, je vous mettrai un message. Enfin, je vous présenterai la DB. Hein, de toute façon, comme l'année dernière, je l'avais présentée. Après, il faut qu'on voit si on peut récupérer l'ancienne de l'année dernière et juste modifier. Parce que, mine de rien, après, voilà, il n'y a pas de choses qui vont changer. Parce que c'est vrai qu'on avait quand même fait une DB assez complète l'année dernière. Après, voilà, une DB cyclocross pour le jouer en carrière, c'est pas tout à fait possible. Puisqu'en fait, une DB classique, par exemple, oh, tiens, on reprend encore le même truc. Donc, bon, je vais pas le faire. Sur une DB classique, en fait, la saison ça va du 1er janvier au 31 décembre. Tandis que sur une DB cyclocross, ça va, je crois, de septembre à février, mars, un truc comme ça. Donc, c'est pour ça. Il y a My Tour avec Calaf qui arrive. Enfin, je vais peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, il est déjà prêt. Allez, le parcours de Bruxelles là, ça peut faire mal avec Matthews et Sagan. Et donc voilà pourquoi c'est pas possible de le faire en carrière, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va essayer de faire une DB cyclocross bien complète, etc. L'année dernière, je crois qu'on avait quand même Coupe du Monde, on avait Super Prestige, on avait quand même pas mal de championnats nationaux, le championnat du monde, les trophées AP, et on essayait souvent de faire des updates. Donc franchement, je trouve qu'on a fait un truc assez, assez complet, assez solide. On va essayer de refaire ça avec l'ami Toto. Donc il faudra que je fasse justement des petits tests, etc. Voir si la DB marche déjà sur le PCM 19. Et faire voilà des modifs. Le problème c'est qu'on n'a toujours pas de stage éditeur, donc c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et oui, Tutur, ça marche très bien. Moi j'ai pas trop de bugs. Hein. J'en ai. Allez, une fois sur 5 ça bug. Une fois sur 5 ça bug. Mais après, j'arrive à bien lancer. Je vais faire quelques courses. Et donc, bah pour le coup, on a, comment ça s'appelle? On va essayer voilà, de la faire et de rajouter quelques courses, peut-être, mais on va essayer de réutiliser, donc voilà. Et peut-être d'ajouter de nouvelles équipes, etc. Parce que l'année dernière, on avait dû créer pas mal de maillots aussi. Et je vous avoue que créer des maillots pour PCM, c'est quand même assez long. Toto, il avait créé les bannières officielles et tout. Donc bon, voilà. Alors, on va contrôler Matthews, hein, voilà. Et on va laisser Sagan se débrouiller. Parce que je pense que, ouais, Sagan là a des chances. Avec Matthews, on va contrôler la course pour Peter Sagan. Donc on va se mettre devant, on va rouler à bloc pour éviter les attaques. My Tour avec la Corendon. Ouais, on va se faire peut-être un petit My Tour avec la Corendon. Vous voyez, Quintana, Terpstra, tout ça, ça attaque. Nous, on va contrôler tranquillement. Mais ben voilà, Nibali, il roule. Parfait. Hop. Ouais, c'est vrai qu'on peut stunter Team Merlier, du coup, et Van Der Poel. Allez, il est parfait pour le moment, là, Peter Sagan. Il est rentré sur nous. Hop, il faut qu'il suive bien. My Tour avec Barguil, j'en ai déjà fait les gars, mais on va voir. On verra après pour les My Tour. Vous inquiétez pas. Allez, devant ils sont 3. Pour le moment, on pourrait pas prendre de points sur le premier sprint. On va essayer de revenir petit à petit. On va en faire quelques-uns des My Tour. On va pas mettre des gros My Tour avec 20 étapes. Si on fait des My Tour, voilà, de 3-4 étapes, ça peut être sympa, je pense, pour. Ça peut être sympa pour se faire plaisir et en faire quelques-uns. Allez, on essaye de lancer avec Matthews. On va se faire piéger peut-être sur le premier. On va mettre 2 points. On va mettre 2 points. C'est Terpstra devant qui a gagné. On va essayer de rentrer du coup sur Terpstra. Et salut à ceux qui arrivent. Quoique, voilà, on va faire ça. Hop. Et Matthews, il va suivre. Hein. Il va suivre ce groupe. Nous, on va essayer de rentrer avec Peter Sagan. Ouais, mais c'est la dernière. Après, on va essayer de trouver un parcours montagne. Et après, on arrêtera, on fait la dernière. Comme ça, on a des points pour ouvrir un petit pack. Mais après, on va faire un peu de tout. On va faire peut-être un peu de défis, j'en sais rien. Si vous êtes chaud pour voir un peu de défis. J'ai mis un sondage, en fait, en début de live.
et vous étiez plutôt chaud. J'avais proposé un peu de tout, un tour complet, un tour en mode Vuelta, plein de My Tour, ou voilà, et vous avez plutôt préféré un peu de tout. Donc je vous écoute. Si vous voulez un peu de tout, ben voilà, on va faire un peu de tout. Allez, on revient sur Quintana. Et on va revenir sur le groupe de devant également. Oui, ça va très très bien. Et toi, comment ça va? Allez, les deux Terpstra avec Matthews à l'avant. Et allez, Sagan qui revient. Et voilà pourquoi j'ai mis plus Sagan et Matthews. Parce que c'est vraiment un peu des sprinters type puncher. Après, on choisira les kits et tout hein, pour les My Tour, on verra. Allez, on est revenu sur notre Michael Matthews. Donc ça, c'est très très bien. Et là, on peut mettre pas mal de points. C'était Terpstra qui avait remporté le sprint derrière. Par contre, c'est enterrement entre Thomas, Denis et Nibali. Voilà, j'avais fait le tour complet avec la Jumbo. Donc voilà, j'ai envie de prendre des équipes que j'ai pas utilisées en fait. Allez, Matthews, lance le sprint, mon petit. Voilà, très bien. On va pas se faire aligner par Quintana au sprint quand même. Allez, Terpstra, on te passe. Quoique, on va lui demander de suivre Matthews devant. Voilà, comme ça, Terpstra la fun et Forrest crame un peu. Allez, nous on est là. Et on va encore remporter tout ça. Ineos, il y a un My Tour qui arrive avec Bernal. Je sais pas trop quand je vais vous le mettre. Ça sera peut-être dimanche, je sais pas. Il faut que je vois en fait comment je programme. Parce que demain, il y a le tour. Enfin, il y a le tour, il y a la carrière. Quick Step. Ensuite. Pourquoi tu veux que ça soit dangereux, PCM, pour ton ordi? C'est un jeu Steam, donc c'est sécurisé. Ouais, du coup, demain, il y a la carrière. Mercredi, il y aura un My Tour avec Jalabert. Jeudi, je pense qu'on aura du Pro Team. Vendredi, du coup, bah, Tour 2003. Samedi, Pro Leader. Et dimanche, My Tour Bernal, du coup. Je vous mettrai de toute façon, les gars, je pense, un petit Stropole après. Ah ben ouais, s'ils me contactent, moi je dis pas non. Hein. Franchement, s'ils veulent me contacter pour me prendre, moi je dis pas non. Quand j'étais petit, c'était mon rêve. Après, voilà, c'est un peu compliqué et tout, parce qu'il y en a vraiment très peu. Du coup, je me suis dit, c'est impossible d'être commentateur sportif. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aurais bien aimé. Allez, Matthews, tu vas pas te faire aligner par Terpstra. Et voilà, victoire. Allez, on va voir. Les nouveaux. Alors, Navardauskas, Avilé, Ajuregui, Gastower. Allez, on a de quoi ouvrir un petit pack encore. L'équipement, Chobal n'est plus valide. Ok. Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que Trek il recrute que des coureurs un petit peu vieux, donc bon, c'est dommage. Allez. Encore des doublons de partout. Ah bah du coup, c'est bien qu'on ait Wellens, puisque il va encore pouvoir nous augmenter un petit coup. Nouveauté, on a beaucoup Mollema pour le coup, avec Postelberger, Drucker, Kanter. Ah voilà un bon sprinter Ewan Colbrelli. Hop. Donc on va modifier tout ça déjà. Alors on va dégager peut-être on va dégager petit. Hop. Hop, on va pas faire ça.
Carte argent. Hop. Donc on va mettre. Il est où? Oui, Tim Merlier aussi, c'est vrai. Colbrelli, ça peut être sympa. Hein. Colbrelli, voilà. Et là, on modifie et on prend Ewan. On a un truc assez lourd. Chobal, ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus. Donc, on va mettre plus 6 courses. Mais tour avec les frères Schleck, j'en ai fait un la semaine dernière. Allez, on va se tester un dernier truc si on tombe sur un parcours montagne. Dans les deux premiers, sinon après on arrête. Matthews, il fait pas une année de fou, mais après il finit souvent très bien, donc pourquoi pas à Québec et Montréal comme l'année dernière. Allez, on va se retester un coup. Ma petite technique là, des fois je tente une fois, deux fois, si ça marche pas, tant pis. Bah, les gars, on est plus de 105 sur le live, ça fait plaisir. Ouais, j'ai vu pour Jimondi, ouais. C'était quand? C'était vendredi ou samedi, je sais plus. Franchement, c'est un bon coureur. Enfin, c'était un bon coureur, du coup, c'est franchement très très bon coureur. Et bon, de toute façon, la classe à l'italienne, hein, grand classique. Bon, l'erreur de connexion, on va partir pour un My Tour. Alors, hop, on prend le perso. Moi je serais chaud pour un petit kit kit Espagne. Tiens, c'est la Volta en ce moment, on va se prendre un kit Espagne. On va Allez. Ouais, c'était là tu vois ça bug. Allez, on va partir avec le kit Espagne. Bah parce que des fois il y a des bugs, mais bon, on a réussi à faire trois courses. Allez, donc on va prendre. J'ai vu tout à l'heure qu'il y en a pas mal qui m'ont proposé la Corendon. Du coup, on va prendre la Corendon et on va tenter quelque chose avec Van Der Poel. Oui, ça commence samedi prochain la Volta. Donc ensuite, on fera Trek parce que j'ai vu pas mal de Trek aussi. Donc on va en commencer un avec Van Der Poel et Merlier. On va faire pas beaucoup de courses, hein. Parcours de Bruxelles, c'est vrai que je le kiffe bien, mais je l'utilise très souvent. On va le tester sur un truc. Porte-Dieu et non. Ouais, mais on se fait deux étapes. Deux étapes sympathiques. Sinon, on se met des étapes du. Ah bah tiens, regardez, on va faire ça. On va se mettre les étapes du multi, ça peut être cool. On s'en met une, on met Bruxelles. Et. Ouais, Quimper, elle peut être sympa. Ah, le Tour des Flandres, j'ai une idée pour après pour le faire. On pourra se tester un petit Tour des Flandres avec Bétiol si vous êtes chaud. On se fait un petit Bétiol Van Mark. Bah non, PCM j'en ai fait hier, on m'a demandé de faire un peu de tour, donc on change un petit peu. Donc on va mettre Van Der Poel et Tim Merlier, voilà, on a une belle équipe quand même. Donc on va jouer le premier sprint avec Tim Merlier. Par contre, j'y vais pas penser, j'aurais dû mettre 6 coureurs par équipe parce que sinon ça va être n'importe quoi. Donc si vous êtes chaud, Tour des Flandres avec comment il s'appelle, avec Bétiol. Je vais vous mettre un. Stropole. Bestiole. On pourrait prendre qui? Degenkolb. Parce qu'il y en a qui ont proposé Trek. Quoique non, on fera plutôt de la montagne avec un peu de trucs pour eux. Donc, qui c'est qu'on pourrait prendre pour le coup? Qui c'est qu'on pourrait prendre pour le Tour des Flandres, les gars, proposez des coureurs et je vous mets un Stropol après. Donc j'ai déjà mis Bétiol, Valverde si vous voulez, ou Van Avermaet. Van Avermaet, je mets Van Avermaet du coup. Matt. Oh putain, je suis tombé, je regardais pas. C'est pas grave puisque j'ai dit qu'on prenait Merlier de toute façon pour ça. Donc j'ai fait n'importe quoi, voilà, champion de Belgique.
Allez, Avermaet, Nassen, Christophe. Valverde peut-être pour le Tour des Flandres. Ouais, Boonen. On va pas prendre de légende, on va pas prendre de légende pour le moment. Bettiol van Avermaet Nassen, et je vous mets voilà un petit Valverde en bonus. Petit Valverde en bonus pour le Tour des Flandres. Donc voilà, je l'ai créé. Hop, je vous le mets du coup dans les commentaires. Voilà, allez voter. Je vous mettrai le résultat. Ensuite, donc je regarde tout ça. Allez, on va quand même partir là pour cette course. Van der Poel, il va me suivre les attaques. Et devant, il y a Viviani, Groenewegen qui sont partis. Alors, on va faire rouler l'équipe à 110, hein. Équipe Corendon qui va en mener. Non, mais ne votez pas ici, les gars. Je vous ai mis le lien du Stropol. Vous allez voter sur le lien. Je vous dirai à l'issue du coup de cette étape. On verra. À l'issue de ce My Tour, on verra donc ce qui est en tête. Allez, il y a un sprint intermédiaire. Mais devant, ils sont bien partis, hein, Viviani et compagnie. Allez, ils vont faire le sprint intermédiaire devant. Nous, pour le moment, on ne le fait pas avec Tim Merlier. Si, on va le faire quand même. Allez. Est-ce qu'ils vont poursuivre leur effort devant? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Van Avermaet peut-être pour le contre. Allez, Van der Poel derrière t'attaque en fait. Van der Poel t'attaque. Allez, Mathieu. Il est où, Mathieu Van der Poel? Il est là. Allez, allez, vas-y, vas-y, Mathieu. Vas-y, mon petit. Allez, on va essayer de sortir à deux. Hansen. Ah putain, ouais, Hansen. Bon, dommage. Allez, il faut rouler quand même. Derrière, il y a Yates qui a été distancé avec Sagan aussi. Mais regardez, 42 secondes l'écart devant. Ouais, c'est très bien parti. C'est très, très bien parti. Les gars, ne votez pas dans le chat, hein, votez dans le Stropol que je vous ai mis. On ira voir les résultats après. Je vais regarder déjà combien c'est les résultats pour le moment. Ouais, pour le moment, c'est serré entre Bettiol et Valverde, hein. Je vais vous mettre ensuite le petit truc. Hop. Hop, vous voyez. Je vous laisse donc voter un petit peu. Allez, nous, on essaye de rentrer en tout cas là sur les hommes de tête. Ben, il y a le lien juste en dessus en fait. Ben, allez voter pour les coureurs que vous voulez, hein, les gars. Allez, on a fait un tout petit groupe là. Faut amener à bloc, les gars, là, tous. Sauf Van der Poel. Sauf Van der Poel qui suit les attaques. Mais allez, la Corendon, la qui amène, parce que devant, on a quand même Viviani, Galopin, Polite et Groenewegen. Ouais, ça va très très bien, Cycling Game. Allez, allez, allez. Ça continue. 36 secondes. On est en train de bien limiter l'écart là grâce à notre équipe. L'équipe Lotto qui est avec nous aussi hein, pour amener. Allez. Galopin et Polite qui ont peut-être tenté un coup. Allez. Il y a un sprint intermédiaire. Forcément, on va le faire. Tim Merlier, on teste un petit peu notre pointe de vitesse. Allez, et on est revenu plus très très loin là des hommes de tête, mine de rien. J'ai l'impression qu'il y a Polite là juste devant, pas très loin. Et c'est le dernier tour. Allez, Van der Poel, tu prends ton gel bleu. Et derrière, les gars, ça roule pas, hein. C'est pas la peine. Je vous remettrai le Stropol après, hein, le lien, mais.
Allez, 20 secondes, on est pas très loin là de rentrer. Van der Poel, s'il peut. Ah ben voilà, très bien mes coéquipiers là, ils se sont mis en mode on prépare le sprint. C'est parfait, nous on a pris quelques mètres d'avance avec Greipel. Devant il y a Groenewegen qui se laisse distancer. J'ai pas trop ce qu'il fait, Dylan Groenewegen. Allez, on va prendre du rouge là aussi, c'est important. Avec Tim Merlier. Pour le moment, Tim Merlier est solide derrière. On va leur demander de prendre leur gel bleu. Enfin, dommage, je voulais donner le rouge à Van der Poel. On peut le donner, ça c'est très bien. Allez les gars, il faut m'aider à rouler là pour rentrer devant. Viviani et compagnie, ils ont une belle avance. Ils sont 3, hein, mais Viviani est le plus rapide au sprint, on va se faire avoir. Non, non, je suis sur un My Tour. Allez, derrière, il n'y a personne de mon équipe qui vient rouler. C'est bien dommage. Mais on s'est bien rapproché, en tout cas, là, des hommes de tête. Allez, Van der Poel, il va pas tarder à lancer son sprint. On va même lui demander de lancer là. Voilà, Van der Poel, il peut le lancer de loin, le sprint. Nous, on arrive là dans le dernier kilomètre. Allez, on essaye de revenir avec Tim Merlier. Est-ce qu'on va faire une belle place ou pas? On va faire troisième. C'est Viviani qui va aller s'imposer devant. Un mec qui a un bon retour là de qui? Et de Van der Poel qui nous passe devant. Bon, on fait 3-4. C'est pas mal. C'est le 19, ouais, c'est bien le 19. Ouais. Alors, le Stropol, qu'est-ce que ça donne? C'est. Ah, ben, Valverde, a priori. Valverde, Valverde. Ah, je vais juste. Je vais juste faire ça. Puisque. Voilà. Hop, parce que sinon, vous le voyez pas. Le résultat. Hop, je vous le mets comme ça. Ça gêne pas trop. Ben, versus avec Styros, c'est compliqué puisque. Il habite en Belgique, il habite en France, donc je vais pas me déplacer en Belgique pour faire un versus. Ça fait un peu loin. Bon, pour le moment, pour le vote, du coup, vous êtes plutôt chaud pour Valverde, hein, pour le Tour des Flandres. Donc on se fera un Tour des Flandres avec Valverde. Ça risque d'être compliqué, mais bon. Si vous êtes chaud. Victoire de Viviani, donc. Ouais, la difficulté, elle a été augmentée. Ouais. Je vous rebalance le lien, les gars, du Stropol si vous voulez. Ouais, vous êtes chaud pour Valverde, du coup, pour le Tour des Flandres. Allez, avec Van der Poel, je pense qu'on peut prendre. Moi, j'ai 20 ans. Allez, je pense qu'avec Van der Poel, on peut prendre le maillot sur la prochaine étape. Donc on verra tout ça. Et du coup, on va partir a priori avec Valverde, les gars. Avec Valverde, 15 votes. 15, pardon, pour Valverde. 16. Nassen en 2. Ouais, non, mais je pense que ça sera Valverde, hein. Vous pouvez continuer à voter si vous voulez, mais c'est bien parti pour que ça soit Valverde. Je vous le laisse un petit peu. Et allez voter, du coup, pour ça. Ah, c'est vrai qu'on a les kits Vuelta, du coup. Viviani en vert, et nous, on a le maillot blanc. Cette année, d'ailleurs, je crois que ça a changé sur la Vuelta, parce qu'avant, c'était pas le classement du meilleur jeune, c'était le classement du combiné. Et donc justement, maintenant je crois que c'est le classement du meilleur jeune hein, pour la Volta. Général classification. Il me semble que c'est ça. Allez, bah, ça va être avec Valverde. Valverde a 19 votes. Après, sinon, on peut se faire un pari Roubaix avec Nassen, hein, plutôt.
Nasson est arrivé 2. Mais là, vous êtes chaud avec Valverde. Je verrai les notes par contre de Valverde parce que je sais pas trop combien il a. Je tente de vous dire que s'il a 70, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, un petit 74, ça pourrait être sympa. Bon, tu tires avec Adriano, on s'est expliqué la dernière fois. Je lui dis que ça sert à rien qu'il fasse des embrouilles pour rien. Que ça allait pas être bénéfique pour lui ni pour moi. Donc voilà. Après, on verra ce qu'il en pense. Mais bon, le mec, il est venu pour faire un peu une embrouille, quoi. Moi, je lui dis que c'était pas correct ce qu'il avait fait. Donc voilà. Après, il en fait ce qu'il veut, hein. Moi, je m'en fous. Hein. Allez, donc je vais vous enlever le truc du vote. Ça sera avec Valverde. Normalement, je rejetterai un coup d'œil après, hein, d'ici la fin. Mais Nassen est à 9 votes de Valverde. S'il y en a 9 qui viennent voter pour Valverde, ce serait pas mal. Avec Valverde, le Tour des Flandres. Parce que j'ai mis un Stropol et c'était. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, Tiben. Ouais, sinon on se fera un petit my tour, parce qu'il y en a qui ont voulu un petit my tour avec un peu de montagne et tout. On se fera un petit my tour avec la trek tranquillou, donc on mettra du Ciccone, du Porte, du Degenkolb. Et Jackie Y, non, je me souviens pas de toi. La FPCM, bah, j'ai fait une carrière hier avec la FDJ. Du coup, voilà. Ouais, je mettrai Mollema, Porte, Ciccone. Moschetti aussi. Franchement, Moschetti est un coureur assez sympathique. Ciccone, normalement, j'ai déjà monté. Après la FPCM, pourquoi pas dans la semaine, hein. Ah, le prochain, je sais pas trop, peut-être cette semaine, je sais pas encore. Quand j'aurai le temps. Parce qu'il faut que je tourne la Vuelta aussi cette semaine, donc voilà. Tu connais, j'ai mis 77 en montagne, je crois. Ah ouais, il y a beaucoup de différence, ouais. 78 montagnes pour Perrichon. Mais écoute, ça va très bien, Hugo. Alors, Van der Poel, il est encore très très bien. Devant, il y a un groupe avec Nibali. Perdu une 0,7, Nibali. Allez, Van der Poel, on va le faire se replacer. Là, il y a la bosse qui nous intéresse. Équipe préférée, c'est la Sunweb. Allez, hop, on se replace. Allez, on se replace. Pour équilibrer les notes, je fais en fonction de. Non, à la Philippe, j'ai pas mis 4 en montagne parce qu'il a des notes de fou en récup et tout. Donc après, si tu boostes 3 en montagne, il gagne le tour en fait à coup sûr. Donc j'ai mis 78 ou 77. Change les notes, tu vois, dans l'éditeur. Allez, on va essayer d'accélérer. En tout cas, regardez, l'écart sur Nibali, c'est bien réduit. Et allez, le démarrage là avec Van der Poel. On n'est pas tout à fait sorti. On va essayer d'en remettre un. On a pris quelques secondes là d'avance. Nibali est là-bas avec Lilian Calmejane. Tu montes toutes les notes parce que je les connais pas trop. Bah non, je vais pas faire une vidéo pour ça. Je crois que Megan avait fait une en début de jeu. Et moi, ça m'intéresse pas de faire des vidéos comme ça. Je trouve que c'est un peu inutile de montrer les notes. Je vois pas trop l'intérêt, sachant que bah, tout le monde les a à dispo. Hein.
Allez, ça attaque un peu de partout. Nous, on est très très bien encore avec Van Der Poel. On est revenu à une minute là du groupe Nibali. Et on est vraiment pas loin en général hein, avec Van Der Poel. On est à 12 secondes seulement. Ouais, 85 aussi, calmez Jeanne en montagne. Eh, Bardet et compagnie, là, ont été distancés. J'ai... Ouais, non, j'ai pas d'équipier, parce que ça a été... C'est une cassure. Mais par contre, Pinot, là, qui perd un peu de temps. Oh, voilà, l'entour des 20 bornes de l'arrivée. Sur le live d'hier, j'explique comment on met les casques et compagnie. Après, c'est un peu compliqué, mais sur le live d'hier, plutôt. Ouais, sur le live d'hier, j'ai montré à la fin. Donc, si tu veux, tu peux aller à la fin et tu le vois comment je... Comment on modifie tout ça. Ah bah les vrais noms, tu télécharges une DB, là c'est pas... Oui, vous inquiétez pas, Martin, je crois que je l'ai monté, j'ai fait une petite... Moi je me suis fait une petite base de données, on va dire, après le tour, donc j'ai monté les coureurs que je voulais, j'ai baissé ce que je voulais, qui avait pas fait un très bon tour, etc. Pour avoir des trucs le plus possible, enfin le plus proche de la réalité. Mais je vais pas le mettre à 80, Martin, je vais le laisser à 77, je crois. Comment on met les vrais noms sur Tour de France, bah, tu vas dans l'éditeur et tu le modifies à la mano. Après sur PCM, tu vas sur le workshop, tu télécharges une DB, tu te casses pas la tête, hein. Allez, on est plutôt pas mal là quand même avec Van Der Poel. Jan Sender a été distancé, c'est pas grave. C'est pas les vrais noms pour les équipes avec lesquelles ils ont pas de licence. Allez, ça va remonter ici. On va pouvoir en mettre une. Et oui, j'ai baissé Bardet. Bah, je vous l'avais vu sur le My Tour que j'ai fait avec Bardet. Je l'ai un peu baissé. J'ai augmenté Evenepoel. Il faut que j'augmente Hirschi. Par contre, je crois que j'ai pas augmenté. Bah, le Paquita, tu le mets dans le dans les dans les enfin, dans, tu vois sur ton disque où c'est que t'as PCM, Steam, Steamapps, Common, PCM 19, 3D, etc., etc. Après tu mets dans les bons dossiers qui vont. Bah, créer les DB c'est assez compliqué, il te faut déjà un éditeur de DB, etc. Salut The Cause Viper. Allez, on accélère en tout cas avec Van Der Poel. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir pour les 10K. Eh bien, merci beaucoup en toi, Maël. Allez, Valgrin est passé en tête devant. Il a distancé Béran et Nibali. Calmejean a été repris, je ne l'ai pas vu. Allez, on va se concentrer là pour les 10 dernières bornes. Avec Van Der Poel, on a pris quelques secondes d'avance hein, sur le peloton. C'est plutôt pas mal. Ils vont revenir hein, sans doute. Même si on voit qu'il y a pas mal d'hommes hein, distancés là dans le peloton. Allez, la petite redescente, là on remonte. Sur quel âge? J'ai 20 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Je te le redis, il n'y a pas de souci. À Ineos, il y a un My Tour qui arrive du coup avec. Ben, vous savez, genre comme ce matin, j'ai fait le My Tour spécial maillot vert en quelque sorte avec Sagan. L'autre jour, j'en avais fait un spécial avec Bardet. Ben, il y en a un avec Bernal du coup qui va arriver. Il y en a un avec Alaph aussi qui va arriver bientôt. Voilà, pour ceux qui demandent. Je vais peut-être en faire un avec bah, Pogacar, avec Viviani. J'ai envie d'en faire un avec Hirschi aussi. Donc je pense que je vais en faire un. Moi je préfère Chavez. J'aime beaucoup Esteban Chavez. C'est un coureur qui est sympathique à voir. Allez, on essaye de réaccélérer alors que derrière c'est Dan Martin qui est suivi lui. Il faut que je le baisse un petit peu aussi parce qu'il n'a pas été énorme cette année. Bon non, moi je suis en étude, hein, YouTube on va dire c'est une passion etc. Mais je suis pas assez coté on va dire pour en vivre donc non je fais quand même des études à côté. Pour ça que je vais réduire le rythme d'ailleurs là dans quelques jours. Top 5, je sais pas, je sais vraiment pas. Pourquoi pas mais ça va être compliqué je pense pour Chavez.
Allez, Dylan Teuns qui réaccélère. En tout cas, Viviani vient juste de se distancer. Hein. Il est encore pas très loin puisqu'il est rentré là. Bah, dédicace à toi, Christophe, alors. Allez, Valgren est repris. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Salut à tous ceux qui arrivent. Allez, il faut essayer de bien récupérer avec Van Der Poel. Ça va être compliqué d'aller chercher la victoire, mais ce qui m'inquiète, c'est que Viviani a passé tout ça. Il est monstrueux, là, Viviani. Allez, c'est Kiato là qui est en tête. Allez, on essaye d'accélérer un petit peu de loin, là. Allez, récupérer un peu de rouge. Voilà, la pente finale. Il y a des mecs comme Mollema qui ont été distancés, mais pas les Viviani. Allez, on essaye d'accélérer. C'est Valverde. Non, c'est Tony Galopin derrière qui revient. Tony Galopin, je crois, il est deuxième du général, effectivement, dans le même temps que l'ami Viviani. Et on va pas pouvoir aller chercher la victoire. Peut-être le retour de Van Der Poel. Et ouais, victoire de Van Der Poel. Ouais, c'est chaud, c'est pour ça que j'ai dit qu'à la rentrée. À la rentrée, j'en ferai un peu moins. Ça sera, je pense, 3 vidéos par semaine, quoi. Bah, à la rentrée, je vais en école d'ingénieur. Du coup, c'est en alternance. Donc, bah, je fais 2 semaines d'entreprise, 2 semaines d'école. Mais bon, après, voilà, ça va être chaud et tout, quand même. Mais je vais essayer, quand même, de vous faire une vidéo mercredi, on va dire. Samedi, dimanche. Voilà. Histoire de continuer les séries. Bah, merci, ça fait plaisir. Je sais que vous kiffez les My Tours. C'est pour ça que j'essaye d'en faire pas mal. Quoi, bref, Tom Dumoulin. My Tour avec Okania, ouais, bonne idée. My Tour avec Okania. Enfin, il y en a un avec Jalabert déjà qui arrive après-demain. Et je vais en faire un avec Kino aussi. Bernal, Alaphilippe. La Vuelta. Ouais, les mondes. Je vais en faire un, je pense, les mondes Fignon. Vuelta, Vuelta, Vuelta. Ça sera avec. Enfin, ça sera Lopez, je pense. Et la Vuelta, moi, sur PSM, je la ferai avec. Avec la Bora. On fait combien du coup au général sur ce coup-là? Et oui, Galopin, on lui met 7 plus 10, donc on prend le général, c'est bon. Oui, avec Borkman, ça va arriver. Borkman et Ackermann aussi. Allez, on remporte le général avec Van Der Poel. Ça fait plaisir, on va partir du coup. Juste regarder la note de Valverde du coup. Ouais, c'est moi qui fais mes miniatures et tout. Alors, Valverde, Valverde. Il a 72 pavés. On va l'augmenter un petit peu. Vous voyez, je l'ai baissé en montagne un peu, Valverde. Allez, on va lui mettre 74. Ouais, j'ai vu. Avec Halvorsen, c'est pas prévu. Après, on verra pourquoi pas. Alors, Vlaanderen. Voilà. Petit tour des Flandres donc avec Alejandro Valverde. Salut Nathan. Allez. Pourquoi pas un My Tour avec Chavez? On verra. Après, là comme j'ai fait des My Tours type Tour de France, on va dire, avec le maillot jaune, maillot vert, maillot machin et tout. On peut s'en faire, pourquoi pas, après la Vuelta, avec les résultats de la Vuelta. Ça peut être un truc aussi à faire. Voilà. Alors, du coup, parce que c'était Valverde qui avait gagné, est-ce qu'après, vous voulez peut-être un nouveau Tour des Flandres? Enfin, un nouveau Paris-Roubaix, par exemple. Enfin, d'abord, on verra. Hein. Je vous mettrai le Strohpoll après. Donc, Paris-Roubaix, j'avais vu des Gilbert. Des Sagan, Christophe,
Van Aert. Nathan, voilà. Tout à l'heure, on m'avait proposé ça. Donc, on verra après pour le Tour des Flandres. Il n'y a pas Ineos parce que je l'avais expliqué. Je sais pas. Et je vais vous proposer, les gars. J'ai mis Van Aert dans le truc. Donc, je vais voir après. On verra. Ouais, My Tour avec la Trek. T'inquiète pas, ça va arriver. D'abord, on fera le My Tour avec la Trek. Et ensuite, on fera un Paris-Roubaix. On va essayer de faire pas mal de courses quand même. De se faire plaisir. Ouais, mais les autorisations, en fait, c'est pas qu'ils les ont pas eu. L'année dernière, ils les avaient, mais en fait, ils les ont contactés. Et quand ça a changé de nom, Sky en Ineos, du coup, bah, c'est là en fait qu'ils sont en négociation. Et ils ont peu eu de réponse, ils les ont relancés plusieurs fois, etc. Il y a peu eu de réponse, parce qu'à mon avis, c'était occupé justement sur le changement d'équipe et tout. Et du coup, il y a eu ça, il y a eu le fait que bah, ils n'ont pas répondu. Et du coup, pour pas prendre de risque, vu que c'est quand même une équipe hyper puissante et tout, Ineos. Eh ben, ils ont mis un faux maillot avec un faux nom, etc. Et du coup, ben voilà, ils ont pas eu les droits tout simplement parce que Ineos ne leur a pas répondu. Ben déjà, il y a Trek, ensuite tu auras le Paris-Roubaix. Avec Trek, on va se faire quoi? Trois étapes hein, peut-être. On va se faire deux étapes de montagne. Et un sprint peut-être avec des gains de Kolb. Bah, j'ai pas de caméra pour filmer en fait sur mon vélo. Sur la Xbox, je sais pas du tout, je suis pas au courant des mises à jour, etc. Champion du monde, je kifferais à la Philippe, hein, perso. Ouais, j'aurais pu rajouter Polyte pour le Paris-Roubaix. Hop, je vous mets déjà, je vous le mettrai après. Oui, je suis styrose. On verra après pour les autres My Tour. Déjà, il y en a un avec la Trek qui va arriver là. Ouais, peut-être pas le défi avec Caleb One, on va essayer de vraiment de se faire plaisir, de proposer de belles choses. Je pense que le maillot Tour Trek, il y a moyen de se régaler. Et One, je sais pas, mais il y a un Matthews qui va être sympa. De quoi Pro Leader? Pro Leader sur le live, non, parce qu'il y a celui qu'on fait en vidéo, après j'en ferai peut-être un autre, hein, quand il sera un peu trop bon, mais je vais essayer là de maintenant qu'il est bon, on va dire, sur... Sur le sprint, c'est un des meilleurs, hein, sur le sprint, notre pro leader, enfin, vous verrez dans le prochain épisode de toute façon. Je pense, voilà, on va essayer de se spécialiser sur les pavés, d'être champion du monde à la fin de la saison, là qu'on fait. Voilà, Philippe, il change pas d'équipe, faut pas qu'il change d'équipe, il faut qu'il reste là. Facecam, je sais pas, j'ai pas le matos pour en faire. Ouais, franchement, le petit braquet, c'est sympa. Bah, s'il me propose, moi je dis pas non, parce que franchement, je les suis vraiment depuis le début, hein, quasiment le petit braquet. Donc, franchement, je les kiffe bien.
Et pour moi, Alaph, il ne doit pas jouer les classements généraux, hein, comme il a dit, Tour des Flandres, etc. C'est d'autres objectifs, les classiques. Je pense qu'on retiendra peut-être plus son nom s'il gagne que s'il fait, parce que ça va être compliqué quand même qu'il gagne le Tour de France, donc voilà. Oui, j'ai lu ton message. Bon, c'est pas plus mal, hein, pas de légende dans le pro team et tout, parce que des fois ça tuait un petit peu le jeu quand on avait des équipes full légende et tout, on gagnait tout, donc c'est pas plus mal. Allez, pour le moment, Valverde, il est bien placé. Il y a 3-20 qui est à main pour les échapper. Ça peut aller loin, on a Marc Soler avec nous, énorme. Allez, c'est Dimension Data, j'ai vu qu'il roulait bien là aussi. On se replace un petit peu. Bon, on est encore à 34 bornes. Allez, jusqu'à là, on va y aller tranquillement. C'est Kiato qui est parti. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Allez, parti. Bah pour moi, c'est j'ai dit Matthews, hein, plus côté australien, c'est lui qui est parti pour être leader côté formation australienne. Donc bon après voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'Alaph peut être sympathique. Il y a pas mal de coureurs franchement qui vont être cool. Pas quitter en texture, non, non, tu le mets dans les dossiers qui correspondent, genre le 3D, machin, etc. etc. 3D cycliste frame pour les cadres et tout. Tu suis ce qu'il y a marqué sur le truc. Bon, Ellie par contre arrête, parce que ça devient lourd là tes trucs. Frachleck vs Alberto Contador, j'ai fait une vidéo la semaine dernière avec eux. Est-ce qu'on tente avec Valverde de partir là? A pris quelques mètres. Est-ce que ça marche ou pas? Et derrière ça roule avec CCC. Parcours des JO. Franchement, le parcours des JO, il est énorme. J'aimerais bien Alaph aussi. Hein. Alaph ou Pinot. Franchement, Pinot peut être sympa sur ce genre de parcours. Après, on verra. C'est souvent des surprises. Enfin, pas forcément des surprises, mais des coureurs qu'on n'attend pas spécialement. Je pense que Van Avermaet, il n'y en a pas beaucoup qui le voyaient vainqueur en 2016. Il n'y en a pas beaucoup qui voyaient Vinokourov en 2012 aussi. C'est Sagan qui y va là? Powels. Trentin. Attendez, je comprends pas là. Trentin. Non, c'est Trentin qui est sorti. Pour revenir sur Sagan, effectivement. Ouais, j'étais pas du tout au bon endroit. Amador, tu vas rouler. Amador, tu vas rouler, mon petit. T'en penses quoi une proposition pour le maillot? Bah, je t'ai dit. Pas de maillot spécial. Bah, parce qu'ils ont pas fait un maillot spécial, parce qu'après il garde 4 ans, donc c'est pourquoi voilà, le coureur le garde 4 ans, mais il a le vélo, on va dire, doré, avec le casque souvent et tout, comme Van Avermaet, il a le casque, il a le maillot, enfin le vélo et tout. Allez, on accélère, et on est en train de revenir là sur les premiers. Allez, on veut l'effort pour revenir sur Trentin et sur Sagan, avant le Quarmon. Voilà, nickel. Allez, on va essayer de bien récupérer. Ouais, Alaphilippe, clairement, parce qu'il peut gagner sur toutes les courses. Mais Pinot, franchement, est énorme aussi. Et Bardet un peu en dessous cette saison. Non, j'ai pas regardé le tour de Burgos. J'étais sur PCM, les championnats d'Europe. Je sais pas, après, quelqu'un peut-être les a créés et les a ajoutés. Mais après, PCM, je pense, ne les a pas mis. Mais après, peut-être tu peux regarder sur le groupe ET ou quoi, il y a peut-être quelqu'un qui les a créés. Hein. Non, j'en fais pas un club, non. Allez, le Quarmon. Personne n'y va là, personne n'y va. Avec Valverde, on va en mettre une, je pense, dans le vieux Quarmon quand même.
Allez, Peter Sagan, c'est le premier qui y va. Et on le suit avec Alejandro Valverde. Allez, Valverde qui y va. Ouais, la grosse attaque là d'Alejandro Valverde. Il y a Matteo Trentin avec nous. Il y a Stuyven. On est sorti à 10. Hein. Stuyven, Benoît, Kiato, Sagan, Terpstra, Van Avermaet, Valgren et Nassen. Oui, après j'ai suivi les résultats, on va dire, mais je l'ai pas vu en live, quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a eu une chute! Il y a eu une chute, ça a gêné tout le monde. C'est qui est tombé? C'est Goujard. Hop, 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 hop. Ouais, les échappés là avec la chute, c'est tout désorganisé. Et du coup, c'est André Greipel qui a 50 secondes d'avance. Ouais, j'ai une chance avec Valverde. Après, il faut rentrer. Hein. Devant, c'est Valgren en tout cas qui en donne beaucoup là. Pas plus mal. On a fait un petit effort. Oh, on a fait une petite sortie avec ce groupe. Bon, c'est pas impressionnant non plus. Quel commentaire pour le maillot jaune? Je lis pas tous les commentaires après. Ton commentaire pour le maillot des championnats du monde, je t'ai répondu. Hein. Allez, on essaye de bien récupérer. Valgren. On va essayer de partir. Hein. Allez, le virage. Là, il y a des hommes qui sont ici. On va essayer de les passer. Voilà. Il y a un petit blocage là, un petit embouteillage. Mais avec Valverde, on est en train de remonter l'échappée. Et il y a toujours ce diable de Greipel devant. Il y a énormément de monde. Ça va être un sprint massif limite sur ce Tour des Flandres. Et allez, avec Valverde, on est parti. Ouais, par contre, si on revient sur Greipel, on se fait allumer sur. Hein. Si on revient, on se fait. Se fait reprendre. Loïs, ça va être chaud là de reprendre Greipel. Bon, après, il est devant depuis le début, donc. Mais derrière, le groupe des leaders est un peu loin. Enfin, non, il est juste derrière, mine de rien. Allez, Isa Guiré, il va rouler avec nous. Et Yaki, c'est Polite? Non, c'est Marco Haller. Ouais, par contre, les gars, là, faut rouler parce que Greipel devant, il va aller au bout. Je sais pas trop quoi faire. Et je vais attendre ce groupe là. Voilà, Van Avermaet. Il roule ou pas Van Avermaet? Valgren, Van Avermaet vont rouler. Ouais, par contre, si Greg Van Avermaet y va, on est un peu obligé de le suivre. Ouais, ça se regarde, ça se regarde. Allez, est-ce qu'il y en a un qui va rouler avec moi? Allez les gars, là faut rouler pour rentrer sur Greipel. On est 20 là, c'est énorme. 20 coureurs. Ouais, Greipel il va se faire revoir, je pense. Hein. Valgren il prend les relais. Nous on va essayer de pas trop en prendre. Mais je pense que grosso modo on va quand même se faire allumer hein, s'il y a un sprint massif. Il faudrait peut-être essayer de sortir. Et c'est Tiche Benoît qui y va. C'est Tiche Benoît qui y va. Allez, on va essayer de suivre tout ça. Voilà, de revenir sur Benoît. Ah oui, c'est cramé la tige Benoît. Allez, faut insister là sur le rythme. Ouais, derrière, ça rentre. Assez facile. Valgren, grosse attaque là par contre. Allez, il faut suivre. Valgren est rentré sur André Greipel et il poursuit son effort. Et ça va être chaud pour nous. Allez, on attend là que ça revienne sur Mikkel Valgren avec Stuyven qui fait un très très bon travail. Ça risque d'être chaud quand même pour moi là avec Valverde. Je laisse rouler. Il y a encore beaucoup de coureurs. Hein. Franchement, on peut avoir une grosse surprise. On peut avoir une très grosse surprise. Allez.
Ça va être compliqué pour le sprint. Mais grosso modo, on est encore là. Et c'est Kiato maintenant qui y va. Et c'est Valgren. Valgren monstrueux. Hein. Valgren, je pense qu'après, il en fait trop. Mais Valgren est très solide là. Allez, on essaye de bien suivre. Mais c'est compliqué. Pff, ouais, j'en ai trop fait tout à l'heure, je pense. Allez, on rappelle, il n'y a plus le bug hein, de la ligne d'arrivée. Mais on n'aura pas assez de jus pour faire le sprint, malheureusement, avec Alejandro Valverde. Allez, on va quand même essayer d'y aller. Essayer d'y aller un peu de loin, peut-être d'anticiper. C'est Kiato qui est parti très très fort. On essaye de résister. On tombe en défaillance. Ouais, non, c'est mort. Et devant, c'est qui? C'est Clark qui va aller s'imposer. Non, Viviani qui s'impose sur le Tour des Flandres. Car Quick-Step, c'est demain. Bon, il se fallut, mec, Valverde, mais c'est Viviani qui gagne. Énorme. Énorme, énorme. Je comprends pas ton truc, en fait, Emiliano Sala. Pour le maillot jaune, tu me sors des Ewan, des Demar et compagnie. Sagan, Kiato, Valverde. Je comprends pas ta question. Et si c'est pour le maillot de champion du monde, je t'ai déjà répondu 4 fois. Ouais, Viviani, magnifique avec le maillot de champion d'Europe, là, qui s'impose devant Clark. Et la troisième place pour Matteo Trentin. Allez, Viviani qui gagne. Non, le vert. Mais de quoi le vert? Je comprends pas. Bon, on fait 16e, c'était pas ouf. On va partir du coup pour le My Tour. On va se prendre le kit tour. T'es doux, je suis de Béziers. Ouais, on comprend rien. Stop à ton truc. Alors, on va se mettre des petites étapes de montagne. Donc, on va faire un petit My Tour avec la Trek et ensuite on fera un Paris-Roubaix. Je vous mettrai le Stropol. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme étape de montagne? J'écris. Non, mais c'est parce que j'étais que sur le truc du tour, c'est pour ça. Alors. On pourrait se mettre. Chamrousse, je l'ai pas fait cette année. Donc on va se mettre Chamrousse, tiens, pour commencer. Ensuite, on va se mettre une petite étape tranquille. On va dire de. Pour les sprinteurs, on va mettre la tour de Salvani. Saint-Amand-Montrond. Pour Degenkolb. Tester un petit peu. Et vous voulez de la planche? Ouais, vous êtes chaud pour la planche. On va se mettre la planche, les potes. Voilà. Et on avait dit trek du coup, modifié. J'ai mis combien à Chicone? Ouais, c'est une bonne note. On va rester comme ça. On va juste ajouter John Degenkolb. Voilà, ça me semble être pas mal. On jouera avec Porte. Mais non, on peut pas faire les transferts sur TDF. Par contre. Mon PC portable commence plus à avoir de batterie. Hop, je vais le mettre en charge. Alors, je vais vous mettre également le Stropol pour le Paris-Roubaix. Hop. Voilà. Donc, si vous voulez aller voter, allez-y.
Alors, on va prendre porte du coup. Pourquoi tu fais plus de vie? Alors, alors, pour le moment, pour le vote, vous êtes plutôt chaud. Il n'y a aucun vote pour Nassen, les gars. Le pauvre. Sagan, Polyd, Van Aert, Gilbert. Il y a un vote pour Christophe. Ce sera après ce My Tour. Hein. Non, les gars, pas d'insultes. On se calme, on se calme. Je vais juste prendre Degenkolb pour le sprint inter, sachant qu'il y a... Ah bah ben non, c'est pas la peine, ils sont trop devant. Alors... On est pour le moment avec du Sagan, hein, grosso modo pour le Paris-Roubaix. Il y a Van Aert qui a 5 votes. Nassen, 2 votes. Christophe, 2. Gilbert, 1. Polyt, 3. Donc ça va se jouer, je pense, entre Van Aert et Sagan. Continuez de voter, vous avez tout le My Tour. Avec la Trek, à la fin du My Tour, avec la Trek, on le choisira. Pas vu ce qu'il m'a envoyé. Attendez, juste voir ce qu'il m'a dit. Ouais, j'ai déjà eu 21, ouais. Parce que souvent on m'envoie des trucs Fortnite, sauf que j'y joue pas. On se calme avec les insultes. Allez. Ouais, c'est content, les gars. On est vraiment pas mal sur le live. Ça fait plaisir. Toujours. Ah, Van Aert est passé devant Sagan hein, sur le vote. Amélioration, ben, je sais pas encore, hein. Ça se réfléchira, on verra plus tard. Alors, salut à tous ceux qui arrivent. Hein. Ouais, c'est vrai que... Hop, 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 hop. Non mais... Putain. Aïe, aïe, aïe. On est distancé avec porte quoi. Attendez, je vais juste voir s'il n'y en a pas une save. Parce que là, c'est chaud. Ouais, 49, ça doit être bon. Parce que là, on s'est fait totalement avoir. Ben ouais, je sais qu'il y en a qui l'ont pas eu sur. Non, les gars, pas d'insultes. Stop, stop.
Voilà, on reprend avec Richie Porte. Là, normalement, il n'y aura pas de bug. On va pouvoir basculer tranquillou jusqu'au pied de Chamrousse. Ouais, les gars, stop, on reste tranquille. On est là pour s'amuser. Pas pour chercher les embrouilles, hein. Allez, on va essayer de récupérer pas mal de jus. Bon, on a encore Mollema du coup pour protéger Richie Porte. On va voir ce que ça donne, sachant que Chambrousse c'est quand même assez chaud. Hein. Depuis 2014. Ouais, mais s'il cherche, tu le provoques pas, tu t'en fous, laisse-le faire son truc et voilà. Ça sert à rien de faire ça, hein. Vous prenez la tête pour rien, on est là pour être dans la bonne humeur et tout. Ouais, ça va, ça va. Allez, c'est parti donc pour Chambrousse. Bon, non, mais Mollema, vous voyez, il est déjà mort. C'est qu'elle est chaude à gérer cette ascension de Chambrousse à chaque fois. On va essayer de monter au avec un bon rythme avec Richie Porte parce que c'est quand même assez chaud à chaque fois à gérer. Chambrousse, j'ai toujours galéré hein, sur cette ascension. Sur tous les opus de TDF. Porte, il a 78 ou 79, je crois. Je crois que j'ai mis 79. Allez, ça commence à s'écarter un peu de partout. Devant, on a Tim Wellens qui est seul avec 47 secondes d'avance. Regardez, on est en train de commencer à perdre pas mal d'unités. Moi, je reste placé, on va dire, bien avec Richie Porte. Mais après, voilà, on a perdu. On va perdre Mollema, je pense, si c'est pas encore fait. Bokeh Mollema, là, il va être distancé d'ici un petit moment, je pense. Allez, j'essaye de bien rester placé. Demarquis est encore là. Bah, il a pas fait un très bon Tour de France. En fait, j'ai fait voilà des notes, on va dire, après Tour de France, pour voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. C'est pour ça. Allez, j'essaye vraiment de monter à mon rythme, mais cette ascension, elle est difficile. Elle est difficile, elle est difficile. Mais vous voyez, il y a tout le monde qui fait défaillance sur défaillance. C'est pas Uran quand même, non, c'est Woods, je pense. Effectivement, Michael Woods, vous voyez, petit à petit on monte. Et je pense qu'en montant à notre rythme comme ça peut être pas mal. Tuns, t'es avec nous. Allez, regardez. On perd encore des unités. C'est Nibali, ça. Non, c'est Juan Dennis. Dennis, là on a Haru, donc Costa. De plus, en difficulté, Kwiatkowski, mais vous voyez. Tout le monde commence à faire des défaillances. Petit à petit, nous, on va essayer de remonter. Ça doit être Enric Mas, je pense. Effectivement, là, on a Valverde. Kreuzinger. Il reste encore 10 bandes d'ascension. Hein, donc, on va essayer de le faire tranquillement. Parce que depuis la mise à jour, il y a le nouveau maillot Trek. Allez, Wood Pulse, Dan Martin, ils sont là. Il y a d'avoir Uran aussi dans ce groupe. Effectivement, Vincenzo Nibali. Et devant, ils sont plus que 10, hein. Les 10 meilleurs avec Thomas qui fait le tempo pour Egan Bernal. Non, je suis pas sur Xbox, je suis sur PS4, moi. Après, je sais que il y en a qui ont pas la mise à jour sur Xbox. Normalement sur PS4 tout le monde l'a.
Allez, on revient sur Warren Barguil. Tranquillement. Et du coup, ils sont plus que 9 à l'avant. Ils ont distancé Barguil, voilà. Ah, mais là, j'ai pris mon gel bleu, hein, déjà. Je reviendrai pas sur le peloton. Hein. Bah, non. Bah, si vous avez pas la mise à jour, c'est que vous êtes sur. Sur. Comment ça s'appelle? Sur Xbox, hein, du coup. C'est bon. Ouais, sur Xbox, il n'y a pas la mise à jour. Je sais pas trop pourquoi. Je vous avoue que je sais pas quand est-ce qu'ils vont la sortir. Hein. Je suis pas trop avec Cyanide et tout. Donc je sais pas. Mais après, je pense qu'elle va sortir au bout d'un moment. Je sais pas. Je crois qu'ils ont un peu plus de complications en plus pour la Xbox. Parce que je sais qu'on était allé à Paris avec Styros. Il nous avait dit que les codes Xbox, il n'y avait pas tout le monde qui les avait. Parce que tout simplement il y avait eu des complications et tout sur les Xbox, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils font pas de mise à jour. Et je crois qu'ils avaient des problèmes avec les serveurs Xbox aussi. Barguil, je sais plus combien je lui ai mis. Vous voyez, on revient petit à petit là sur le peloton, tranquillement. Je vais vous mettre encore le lien du Stropol pour le Paris-Roubaix. Et je vais vous dire pour le moment à combien on est de votes. Pour le moment, on devrait le faire avec Van Aert, hein, les gars, le Paris-Roubaix. Allez, on revient sur le peloton avec Thomas, Bernal, Kreuzweig, Pinot, Bormann, Yates, Fuglsang, Landa, Bardet. On est du coup 12. Et là, on va pouvoir se remettre un petit peu. Allez, là ça réaccélère un petit peu. Nous on va essayer de, voilà, de rester un petit peu, de faire le mort en dernière position. Parce que j'ai pas de caméra, etc. Mais sur la vidéo 10 000, j'ai montré des photos si vous voulez. Allez, là on est pas mal, hein, franchement, dans le groupe là. On est déjà dans le groupe des meilleurs, il nous reste le gel rouge, il nous reste un petit peu de bleu. Franchement, c'est solide. Continuez à voter hein, si vous voulez pour le Paris-Roubaix. Bon, il y a encore quelques étapes à faire avec Critchy Porte. Vous voyez, on élimine des coureurs là. Hein. Je pense qu'on va terminer à 10, même pas. Voilà, Nibali qui craque maintenant. Je pense que Uran, dans pas longtemps, ça va faire pareil. Alors que devant, ils sont partis à deux, Kreuzweig et Egan Bernal. Et Pinot et Landa qui essayent d'y aller. Uran va faire une nouvelle défaillance, je pense. Et nous, on va continuer à notre train. Et il y a Thomas aussi qui est revenu. Allez, je pense qu'on va aller. Bon, on va le faire le top 10 aujourd'hui. Pinot qui est parti. Par contre, Landa n'a pas pu le suivre. Allez, c'est terminé pour Geraint Thomas. Allez, on reste comme ça. Allez, on est bien revenu là sur ce groupe. Je pense qu'on peut aller chercher quelque chose d'intéressant. Par contre, Bernal devant, il s'est envolé. Il a quasiment une minute de retard là sur le groupe Egan Bernal. Regardez, Pinot et Kreuzweig, ils vont être pris. Et franchement, on fait une très bonne ascension avec Richie Porte. La Volta, ouais, c'est samedi. Allez, Pinot devant, par contre, ouais, il est bien. Après, nous, on va voir ce qu'on fait là dans ce dernier kilomètre. C'est Bernal en tout cas qui va aller chercher la victoire d'étape. Allez, on essaye d'accélérer un petit peu, peut-être pour faire mal à quelques coureurs. Allez, on continue. Moi, j'ai TDF 2014. Y a pas tous les vrais coureurs. C'est-à-dire, il n'y a pas tous les records.
Allez, on termine. On va terminer quatrième, je pense, de l'étape. Bernal qui s'est imposé en tout cas. Et on fait quand même une belle ascension avec Porte qui a que 79. Et Borgman fait une très bonne ascension aussi. Allez, on va en terminer quatrième derrière Bernal, Pinot, Kreuzweig. Belle ascension. Non, il n'y a pas Liège-Bastogne-Liège. Il n'y a pas Liège-Bastogne-Liège. Excuse-moi, Chimie, j'ai bloqué ton message sans faire exprès, c'était pas volontaire. Et c'est pas toi que je voulais suspendre, je suis désolé. C'est allé trop vite du coup dans le chat. Je voulais te débloquer, je suis désolé. Chimie, si tu regardes, c'est les gabins là que je voulais bloquer. Voilà. C'est les gabins que je voulais bloquer. Donc désolé, Chimie, je t'ai bloqué temporairement. Je suis désolé. Bientôt, ça reprend le cyclo. Putain, je veux te débloquer, je sais pas comment on fait du coup. Putain, comment je fais ça moi? Est-ce qu'on n'a pas la liste des utilisateurs bloqués quelque part? Bon, ben, j'ai bloqué Chimie involontairement. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de Milan Sanremo non plus. Monte ta tête, je t'ai dit, j'ai pas de caméra. J'ai pas de caméra, donc je peux pas. Après, j'ai montré sur la vidéo spéciale d'Ika la semaine dernière. Allez, c'est Bernal qui remporte. On a fait une étape pas dégueulasse. J'ai mis 79 à Porte. Donc, franchement, quatrième. Plutôt solide. Il fallait monter un autre train. Par contre, Bernal devant, il a démonté tout le monde. Hein. Ouais, franchement, on fait une belle étape. On termine avec Burkman. Solide. Ouais, je suis désolé. Je voulais suspendre. En fait, c'est allé tellement vite sur le chat que du coup, je t'ai bloqué à toi involontairement. Donc, je suis désolé. Alors. Froome, je sais plus, je crois que je l'ai un peu baissé. Allez. C'est le festival, hein, les gars. Il y en a qui veulent insulter, ils sont bloqués, il n'y a pas de souci. Hein. Je m'en fous, mais total. Hein. C'est pas un souci, vous voulez insulter, ça part en bloc, hein. Refaisons la Volta, je sais pas, pourquoi pas.
crois que j'ai mis Sagan sur la miniature parce que c'est celui qui est sur le jeu. Donc voilà, c'était pour faire une miniature. Je sais pas trop quoi mettre. Voilà. Alors, au niveau de. Pour tout à l'heure, vous voyez, c'est Van Aert, hein, qui est leader. Donc, continuez de voter si vous voulez. Je vous remets le lien du Stropol. Merci, merci. Mais comment ça, il n'y a pas les vrais coureurs? Si c'est les noms, bah, il faut les modifier. Sinon, si t'as pas les coureurs de 2019, c'est normal. Ils vont pas te faire une mise à jour. Hein. Il faut racheter le jeu. C'est comme FIFA. Hein. T'as pas les mises à jour des équipes d'une année à l'autre. Allez, on va essayer de faire un bon sprint là. Bah, si c'est les noms, faut les modifier. Hein. Ah, mais Jakobsen, peut-être pas 80, mais il mérite de trouver un petit up, c'est sûr. Allez, avec John Degenkolb, on va essayer de se faire un bon petit sprint. Allez, avec Degenkolb, on est parti, on lance. Face à Caleb Ewan, il y a Sagan aussi qui est très très bon. On essaye de résister. Ouais, non, c'est Viviani hein, qui fait le meilleur sprint, j'ai l'impression. Non, ouais, Viviani devant Ewan, Sagan, Groenewegen, Degenkolb. Donc on n'a pas été mauvais non plus, hein. De toute façon, je vais mettre la rediff du live. Hein. Toujours voter, hein, les gars, pour le Paris-Roubaix. À Gabin, par contre, je te le dis direct, tu réinsultes un coup. Là, c'est pas bloqué. C'est pas bloqué temporairement, c'est bloqué définitif. Hein. T'as mis combien Egan Bernal en montagne? Il a 83. Ouais, bon, il tourne avec la Bahreïn, on verra. Bah, je jouais avant, mais bon, au bout d'un moment, ça m'a gavé un petit peu, donc du coup, j'ai arrêté. Pas de My Tour. Ah non, 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 il n'y a pas de My Tour sur le 2014. C'est vrai que 2014, c'est un peu basique, hein, ce qu'il y a. Merci, Lucky, c'est gentil. Allez. En bas à gauche. Quoi, Dumoulin, il est parti chez Jumbo Visma. Le résultat en bas à gauche. Je te le mets ici. Voilà. Allez, continuez de voter, les gars. Pour le moment, c'est Van Aert hein, qui est devant Peter Sagan au niveau de mon petit sondage là. Allez, le sprint avec Colbrelli, Christophe Laporte. On essaye de remonter ces hommes-là. Ouh là là, il y a un coureur là qui a essayé un peu de me gêner. Allez, on remonte bien, on remonte bien. Et on finit derrière Peter Sagan. Dommage, on a fait un très bon sprint. On m'a demandé de protéger Porte, ça va très bien. Ouais, Dumoulin, c'est Jumbo. Ouais, le mode champion, je m'en rappelle, ouais. Ok, sympa, Lucky. Ouais, pour le My Tour 100% de montagne, on verra. Allez, il n'y a pas eu de vent, a priori. Par contre, devant, c'est pas sûr que ça rentre parce qu'il y a Van Avermaet, Valgren, Lutsenko. Et nous, il nous faut remonter. Ouais, vas-y, Chimie. Normalement, le bloc est terminé, hein. Allez, on essaye de se replacer avec Degenkolb. Devant, il y a 35 secondes. Ça peut aller au bout, hein, franchement. J'ai pas trop contrôlé la course, c'est vrai.
Alors, on essaye de se bien se replacer. Il y a Peter Sagan qui est là. 32 secondes. Ça peut le faire, hein. Ouais, tu les mets dans les dossiers qui correspondent, comme il y a marqué, comme il y a sur le point zip là. Ouais, il avait chuté sur le Giro, et donc bah, du coup, bah, il a sa blessure qui traîne encore, quoi. Allez, on va donner les gels bleus ici. Re, bah re. Ben salut Pierre-Louis. Allez, on va prendre un peu de bleu là. 30 secondes, ça va être chaud pour le sprint, hein, je pense. Ça envoie. Allez, pour le moment, en tout cas, on n'est pas si mal. Mais 25 secondes, ça risque d'être chaud quand même pour aller chercher la victoire là au sprint. Surtout que celui-là, des fois, il est un peu chaud. Allez. Dans la roue là, de Elia Viviani. Dans la roue de Groenewegen, de Van Aert. Allez, je décide de lancer. C'est Van Avermaet qui va aller chercher la victoire devant. Et nous, bah, on va faire un top 10, ça c'est sûr. Huitième, il me semble. La suite de la série avec deux Jaeger. C'est la semaine prochaine que je le ferai. Je t'ai répondu, Dida, je t'ai dit qu'il fallait le mettre dans les dossiers qui correspondent, ouais. Bon transfert, hein, Viviani à Cofidis. Je pense que ce sera Quintana quand même. Alors, du coup, bah, il va nous rester une étape. J'enlève le sondage, non, pour le moment. Je sais pas, on verra. Van Avermaet qui s'impose donc. Et la planche des belles filles. Donc bah, il va devoir être bon avec Richie Porte. Je crois qu'on conserve notre place au général. Du coup, il n'y a que Julien Bernard qui en perd quelques. Qui perd du temps. Il perd une 41 aujourd'hui. Et on fait 8 avec Degenkolb. Franchement, pas mal. Et donc, au général. Ouais, Bormann qui passe devant Porte. Mais bon, on est toujours dans le même temps. On peut aller chercher le podium, hein. Ouais, bah les motos et les voitures, elles sont sur. Enfin, les motos, elles sont sur PCM. Après, les voitures, c'est trop compliqué. Ça ferait trop de trucs à gérer et tout. Ça serait beaucoup trop compliqué. Voilà pourquoi ils les mettent pas. Ouais, Martin de Jager, il va falloir que je tourne parce que c'est hyper long en fait. Martin de Jager à faire. Je sais pas si vous en rendez compte, mais. Bah déjà, faut tourner les vidéos. Ensuite, faut que je fasse mon petit truc, l'espace perso là, à remplir. Et tout, à chaque fois, c'est quand même assez long. Et après, bah, il y a le. Comment ça s'appelle? Il y a bah, tout le... ce qui est montage et tout, c'est plutôt chaud. Donc voilà. C'est surtout niveau montage que c'est hyper long de Jaeger en fait à tourner. Mais après, ça... après moi, je kiffe le tourner, mais. Allez, Chicone qui part devant comme en réalité. Par contre, Sabine arrête avec tes trucs là. Smiley, c'est un peu lourd. Bon, stop. Écoute, je laisse comme ça la prochaine fois. Bah, c'est pas que c'est chaud, mais qu'après ça devient un peu lourd en fait pour le jeu et tout. Ça peut avoir des bugs. Je pense qu'ils vont tellement avoir de leaders que ce sera pour pas mal de. Pour pas mal de tours en fait, ils vont mettre plusieurs trucs. Bon allez, ça part en bloc, je suis désolé. Voilà. Ça spam avec des conneries, ça dégage.
Bon, si vous êtes chaud, les gars, vous continuez à voter du coup pour le Paris-Roubaix. Toujours, on a Van Aert 16, 15 votes, Sagan 13, Pulit 5, Gilbert 5, Nansen 4, Christophe 2. Donc voilà. Non, non, pas de Volta pour Dumoulin. Il est trop. Enfin, il est blessé encore, donc du coup, il peut pas. Allez, je vous remets le lien du Stropol, les gars, puisque après cette étape, on partira pour le Paris-Roubaix. Donc, proposez-moi avec qui vous le voulez. La startlist de Sunweb pour la Vuelta, c'est Arndt, Kelderman, Casper Pedersen, Robert Power, Nicolas Roche, Mikel Stoer, Martin Tuchvelde et Max Walscheid. Les météos, ils ont dit que c'était beaucoup trop compliqué. J'avais demandé, enfin avec Styros, on avait demandé du coup pour les météos quand on était allé à Paris. Ils ont dit que c'était hyper compliqué à gérer et tout, et que c'était... En fait, PCM et TDF, c'est pas du tout les mêmes jeux. Du coup, c'est plus compliqué à gérer des ajouts en fait sur TDF que sur PCM. C'est pour ça qu'il y a plus de bugs sur TDF, etc. Parce que le jeu est plus compliqué en fait. Championnat du monde à l'AF. Après Sagan, je sens chaud aussi pour les championnats du monde. Pourquoi pas l'en claquer un quatrième? Bah, Dumoulin, c'est sa chute sur le. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, pop, pop. Non. C'est sa chute sur le Giro, hein, du coup, qui l'a handicapé. Peut-être, par contre, vous n'allez pas me dire qu'on va pas rentrer. Putain, il est pas distancé, quoi. C'est énorme. Je vais regarder, je sais pas, laisser une sauvegarde. Bah des fois à crevaison, je crois qu'ils les ont enlevés. Crevaison, ils les ont enlevés parce que c'était pas terrible. Je sais pas exactement ce qu'il a, je me rappelle plus, je crois que c'est le genou, un truc comme ça, mais c'est chaud. Voilà, on va le laisser là parce que Port, du coup, j'ai pas compris trop ce qu'il m'a fait tout à l'heure. Ah, Chicone devant, il peut être sympathique, franchement, après à jouer parce qu'il y a un bel écart là. Entre le peloton et les hommes de tête. Ouais, je te dégoûte aussi, hein. Je t'avoue. Allez, on va faire attaquer Chicone devant. Voilà. Maintenant, tu suis les attaques, Julio. Allez, Julio. Suis les attaques, mon petit. Enfin, il est quasiment au sommet, là. Et attention, il y a Kelderman, il y a Simon Yates. Bon, ils peuvent être dangereux, on sait jamais. Allez, il faut collaborer. Nous, on va récupérer dans la descente. Allez, on va essayer d'attaquer Bernal de toute façon. Ça serait bien que Chicone rentre quand même, mais bon. Il est un peu plus faible hein, que les hommes qui sont avec lui devant. Regardez le train d'Ineos là. Gros train de l'équipe Ineos. On va prendre Chicone peut-être. Il est où Chicone? Ouais, ils sont au pied. Il a reformé un bon groupe là. Ouf, c'est mort hein, pour Chicone. Il n'ira pas chercher la victoire.
Non, le combatif, il a pas le dossard rouge sur le jeu. Ah, tu connais, c'est mort pour lui, hein. Nous, on va monter à notre train encore avec Richie Porte. On va essayer de remonter un petit peu tout ça. Regardez le train, en tout cas, devant, imposé par l'équipe Ineos. C'est assez costaud, hein. Allez, on va essayer de remonter un petit peu, quelques places. Allez, devant, il y a un gros tempo en tout cas. Gros tempo de l'équipe Ineos. Allez, les 5 derniers kilomètres, c'est Demarquis du coup qui est seul devant. Là, pour le moment, c'est chaud d'attaquer, hein, je te le cache pas. On va prendre le bleu, mais regardez, ils sont au sprint hein, devant. Allez. Eh oui, mais j'essaye de remonter le peloton. Je vais pas attaquer là, sinon j'arrive en tête de peloton. J'ai plus de barre. Regardez comme ça roule fort. Et regardez comme ça roule fort. Hein. Je crois que c'est le 26 septembre, un truc comme ça. Enfin, c'est fin septembre, en tout cas, la dernière semaine de septembre. Devant, c'est Demarquis. Il y a Alaphilippe aussi qui revient bien derrière. Van Barle, il met un tempo de folie là. Allez, Thibaut Pinot qui va, ça c'est bien avec Rushvike. Ça nous donne une bonne occasion de tenter quelque chose. Même si je sais qu'on risque de finir en défaillance. Allez, on continue, on poursuit. Je crois que c'est Dan Martin qui est devant. Allez, on a fait une petite sortie là. On a pris quoi, 20 secondes avec Richie Porte. Et derrière, ça va travailler bien entendu avec le peloton. Regardez, il y a pas mal de coureurs là qui ont essayé de sortir. Les championnats du monde du contre-la-montre. Ou le 20. Non, le 29, je crois, c'est le route. Ça doit être le 25, un truc comme ça, je sais pas. Allez, on va terminer à notre rythme là, mais c'est vraiment chaud. On n'aura, je pense, pas de troisième place. Hein. Et Alaphilippe qui s'impose au sommet de la planche. Ouais, forcément, là, Richie Porte un peu diminué. 82, Pinot. Regardez, on va terminer avec Bernal. Bernal, là, il est chaud. Devant Pinot, très, très costaud aussi. Allez, le dernier kilomètre. Bernal qui en termine à bloc, là. On a encore un peu de jus avec Richie Porte. On peut aller chercher Kruijswijk, lui reprendre du temps à Steven Kruijswijk. Oui, RL, oui. Allez, on prend du gel. Kruijswijk, est-ce qu'on va le réussir à le distancer à Steven Kruijswijk? En tout cas, ça en termine très très fort. Ils sont tous en défaillance. Est-ce que Kruijswijk va en terminer avec nous? J'espère pas. J'espère pas, j'espère pas. Ça serait bien de reprendre un petit peu de temps à Kruijswijk là. Allez, allez. Et Kruijswijk qui va en terminer avec nous, je pense. Alors, le résultat du sondage. Le résultat du sondage, c'est Van Aert, du coup, pour le Paris-Roubaix. Van Aert pour le Paris-Roubaix. Allez. Hop. C'est parti. Salut, salut à ceux qui arrivent. Alaphilippe qui gagne, Bernal. Donc on doit faire troisième au général. Troisième au général, à moins qu'il y ait vraiment un mec de devant qui nous remonte.
Parce que. Bah non, il n'y a peut-être pas des cas en fait avec Rusvike. On va voir tout ça. Chikone qui fait 9ème. Ok, 5,40. Et Kreuzweig. Eh oui, si, on lui prend 20 secondes. Et du coup. Du coup, on reste 5ème. Parce qu'il y a Alaphilippe et Caruso qui nous passent devant. Bon, bah c'est dommage. C'est vrai qu'il y a l'échappée là qui est bien remontée. C'est pas très grave. Allez. Je vais juste supprimer. Ouais, je l'ai vu. Ouais, Pozzo. Allez, on va partir du coup pour le Paris-Roubaix. Hop. Avec. On va prendre. Personnaliser. Parce que sinon, il va y avoir tous les leaders et tout. On va mettre l'effectif de basique du jeu là. Hop, cyanide, légende. Ouais, pourquoi pas là. 2020, je sais pas. 2019, pourquoi pas. Retuture. Du coup, Jumbo Visma. Allez, c'est parti pour Paris-Roubaix. Ouais, 2019, pourquoi pas là, fois. Alors, on va tenter avec Wout Van Aert, hein, là. Après ça, on pourra se faire. Je sais pas trop. Bon, Van Aert en méforme, c'est dommage. Oh, il est vivant, Pozzo. Il est juste pas très très en forme, du coup, avec sa grosse chute. Enfin, sa grosse chute. Il se fait renverser par un camion et tout à l'entraînement, donc. Favori pour la Vuelta, c'est Lopez. Ça va être chaud quand même là avec Van Aert en méforme. Après, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un nouveau My Tour, les gars. Je pense que ça peut être sympa. My Tour. Avec. Alors, je vais vous mettre des propositions. Alors, j'essaye de réfléchir aux équipes que j'ai pas encore fait. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme équipe que j'ai pas encore prise? Mitchelton, pourquoi pas? Allez, je vous mets le lien. Du Stropol. Et je vous laisse aller voter. Je vous laisse voter, je vous laisse voter, les gars. Wynans en protection de Van Aert.
Parce que tu as dû mettre traduire la page, tuteur. Pour le moment, c'est Arkea. Hein. Eh ben tiens, il y a eu un vote pour Bahreïn, il n'y en avait pas un. Arkea qui a 6, 3 points d'avance sur Sunweb. 2 maintenant. Bon, allez, je vous laisse voter tranquille. Allez, on va pas tarder à y aller. Encore quand même 70 bornes. Alors on va le laisser charger un petit peu. Il y a une belle échappée devant. Bah, je te laisse voter hein, du coup sur le Stropole parce que pour le moment voilà t'as de quoi faire. Sunweb se rapproche. Si tu veux les frères Yad, j'ai mis Mitchelton Scott, donc si tu veux aller voter tu peux. Ce qui attaque quoi, ça attaque de loin là. Ça va être chaud quand même avec Van Aert. Hein. Bah non, j'ai fait deux lives PCM la semaine dernière, donc là on fait quand même du TDF. J'essaierai d'en refaire un dans la semaine, peut-être jeudi. Ouais, jeudi, pourquoi pas. J'essaierai de vous faire ça jeudi, les gars. Un petit live sur PCM. Alors, on a Tennyson encore avec nous. Tennyson, on va lui donner son gel. Et nous, on va aller suivre avec Van Aert. Devant, il y a Christophe, Rowe et Degenkolb qui sont partis. Allez. Allez, allez, allez. On accélère. Pour le moment devant avec Van Avermaet. Hein, on peut pas. Quintana aussi, ouais, pour remplacer. Ouais, genre rename quelqu'un de la Arkea et mettre Nairo Quintana, quoi. Bon, non, on va pas faire ça. Allez, ça accélère très très fort devant. On va essayer de prendre le groupe là des meilleurs. On a perdu beaucoup de jeu en tout cas avec Wout Van Aert, forcément il est en méforme, ça va être chaud. Alors, toi. Ouais, voilà, c'est pas pareil. Allez, carrefour de l'arbre. On va essayer de résister dans ce groupe. Hein. Ça va être très très chaud. Bon, il nous reste encore le gel, bien entendu, à prendre. Mais là, ça accélère tellement fort que j'ai un peu peur. On va pas pouvoir sortir, on va être obligé de prendre le gel dans le carrefour de l'arbre. Oh là 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 là. Ouais, Sagan, il a fait un très bon trou devant en plus. Et ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Et on va pas aller bien loin là, je pense.
avec Voot. Allez, on va essayer de terminer un bon rythme là quand même. Ouais, mais le top 5 il va être chaud, hein. Top 5 il va être assez chaud. Allez, Van Aert, devant on a De Gendt, et Benoît. Ça serait bien de rentrer sur ce groupe, donc je vais faire un très très bel effort. Voilà, pour rentrer avec eux, je vais me laisser dans leur roue quelques... Allez, on y croit, il y a un top 10 jouable, regardez derrière, il y a un gros groupe qui revient quand même là, avec, j'ai l'impression que c'est Nassen. Ouais, bien, il faut essayer de rester dans ce groupe. Dillier, Nassen qui sont revenus. Il y a Nils Polite également. Allez, on va essayer de suivre. On va essayer de suivre ce groupe. Ça roule assez fort quand même. Ça roule assez fort. Mais bon, pourquoi pas. Devant, il y a Stibar qui a été distancé. Là, c'est vrai que ça roule quand même très très fort, hein. Et devant, il y a Trentin, Van Avermaet, Christophe, Sagan, Gilbert et Lucro. Incroyable. Putain, Benoît, là, il nous a mis un bon bloc des familles. Et Steven qui est pas très bien non plus. Allez, on va essayer de revenir petit à petit. Allez, dans le secteur de M. Willem, ça M, on va essayer de rentrer. Il y a un top 10 jouable. Hein. Il y a un top 10 jouable. Devant, il y a Sagan et Trentin qui sont partis à deux. Et Ro. Mais Ro, il est incroyable. Hein. Je vais vous remettre, les gars, le lien du Stropol pour ceux qui n'ont pas voté. Voilà. Hop. Et donc. Dimension Data. Ouais, pour le moment, c'est Arkea quand même devant. Et Sonob est juste derrière. Continuez de voter. Ouais, ça va être chaud là. Je pense qu'on va rester dans ce groupe pour essayer de les aligner. Parce que ça va être chaud de rentrer sur le groupe de devant. Sauf si ça se regarde bien. Mais là, ça se regarde. Ça roule plus. Il n'y a plus d'entente. On attend là pour une 7ème place. C'est dommage là qu'il y ait un enterrement de première classe entre ces hommes-là. Ouais, Van Mark il va collaborer peut-être. Degenkolb aussi. Puisque Degenkolb il sait que c'est un coureur très rapide. Il a déjà remporté Paris-Roubaix l'Allemand. Allez. Ce serait bien là, en méforme. Est-ce que Polite. Ouais, voilà, là ça continue de rouler un petit peu. Polite, Nassen. Bon, on reviendra pas, hein, sur le groupe de devant, c'est mort. Bah, tu vas à la trek, tu rename le gars à Vincenzo Nibali et tu mets les notes que tu veux, quoi. Allez, bah, du coup, on va se jouer une 7ème place ici, puisque devant ils sont 6. Si un petit enterrement, ça peut le faire. Est-ce qu'on aura une surprise? Pourquoi pas? Est-ce qu'on aura une surprise? Un Trentin qui s'impose, c'est possible, hein? Hop, 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 qu'est-ce qu'ils me font là, attaquer? Allez, on est revenu à 54 secondes, mais ça va pas faire grand-chose, hein. Allez, ça continue d'attaquer là avec Nassen qui est sorti. Allez, ils sont... Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est une blague, j'ai pris le bord, putain. Allez, on essaye là de bien récupérer. Ça part de très très loin là pour Sepp Van Marck. Devant, qui c'est qui va aller chercher? Je pense que Sagan peut-être, hein, ou même Christophe. Ouais, là nous, on a souffert aujourd'hui avec Wout Van Aert malheureusement. Et je crois que c'est Sagan, hein, qui s'impose. Sagan devant Christophe, Van Avermaet, Trentin. Allez, on essaye de le faire avec Wout Van Aert, mais ça sera une 12ème place aujourd'hui. Très mauvais.
C'était chaud. Mauvaise forme, c'est vraiment chaud. Déjà que Paris-Roubaix, c'est chaud tout court. Putain, Scottson, le pauvre là, il va arriver dans quelques minutes, hein. Donc, a priori, ça va être Arkea. Ouais, c'est Arkea. J'arrête le vote là. C'est Arkea facilement. Ouais, la Van Aert, il était pas ouf, hein. Franchement, en mauvaise forme, c'était un peu chaud. Allez. On va donc voir un petit peu ce que ça donne. Christophe 2, c'est possible, il fait une bonne saison Christophe quand même sur les pavés, sur le Tour des Flandres et tout, il a été costaud sur Gent-Wevelgem. Mais je fais les deux, je fais PCM et Tour de France, je kiffe les deux jeux donc je fais un peu des deux. Sagan qui s'impose, on fait 12 avec Van Aert, bon voilà. Allez, on va partir pour un petit My Tour avec Arkea du coup. Le kit tour, hein. Alors, sur Xbox One, je sais pas du tout. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Alors, on va mettre cette étape Saint-Just-Rambert. Vittel, pourquoi pas, tiens. Et ensuite, on va partir pour des étapes un peu plus vallonnées. C'est pas les mêmes jeux, TDF et PCM, hein. Je pense pas hein, sur Xbox. C'est quelle équipe? C'est Arkea. Ce que je mets, moi j'ai perso, j'ai envie de me mettre Valoir, de me mettre la Reims. Ok, bon, on va prendre l'équipe classique, hein, on va pas trop modifier. Allez, on va donc partir pour ce My Tour. Après, je pense qu'on en refera un dernier. C'est quelle heure là? 15h28, ouais, jusqu'à 16h20 à peu près. Allez, on va prendre Greipel. On va envoyer. Je sais pas trop qui devant. J'ai envie d'envoyer une échappée. Bah, vois avec Cyanide, hein, contacte-les, essaye de voir avec eux ce qu'ils ont à te dire. Ouais, la carte SIM, tu peux l'acheter à Micromania, mais bon, après le jeu, tu vas le payer. La payer plus cher, paye en carte. Franchement, c'est mieux de payer en carte, je pense.
c'est mieux de l'acheter avec une carte et tu l'achètes sur Instant Gaming, tu paieras moins cher. Après, les échappées sont un peu calmées quand même depuis la dernière mise à jour, il y a moins d'échappées qui vont au bout. C'est pour ça que j'ai envoyé Vachon, Poli, Terpstra, franchement je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et pour après on verra qui c'est qu'on envoie devant. Et ouais les gars, essayez de contacter Cyanide ou quoi. Ils vous répondront peut-être, hein. Vous envoyez un petit mail ou un message, même sur Twitter, des fois ils répondent. Donc à voir, hein. Ah, il est arrivé la match de la Xbox? Non, non, mais on peut pas faire les modifs et tout, c'est trop chiant. Après, il faut enlever et tout. On va rester avec les effectifs classiques, on va dire. C'est-à-dire à transférer. Oui, il y a des problèmes sur le jeu, je cache pas. Hein. De toute façon, moi j'attends toujours le stage éditeur 2019. On attend qu'il arrive. Hein. Allez, avec Gripple, on va se tester sur le sprint inter. Allez, petite portion descendante là. Hop, le petit pont. Voilà, y voilà. Hop, allez, le sprint. Est-ce qu'il y en a un qui va le lancer avant nous là? Il n'y a personne qui l'a encore lancé, donc on lance le premier avec Gripple. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Il y a le retour de Groenewegen. Aïe, 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 aïe. Et on fait deuxième derrière Groenewegen. Oui, je sais que c'est sur PCM le stage éditeur, mais je te demande quel est ton souci. J'ai pas trop compris. Qu'est-ce que tu entends par transférer? Gripple, il prend tarif là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est une entreprise française. Ouais. Ouh là là, Vachon devant, ça va être chaud quand même. J'ai envie de me contrôler, Florian Vachon. Je l'ai pas vu que c'était jamais. Je regardais le chat, du coup, j'ai pas vu. Allez, Vachon a pris quelques minutes, enfin, a pris quelques secondes d'avance. Ça peut être sympa, ça, Florian Vachon. Et ouais, j'étais en train de regarder le chat, les gars, du coup, j'ai pas vu Gripple partir. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, il y a Florian Vachon avec Terpstra, du coup, devant. Polyte. Ouais, Polyte, il a quelques secondes de retard, mais Terpstra, là, il est bien parti. On va faire l'effort pour rentrer sur Niki Terpstra.
Parce qu'il ne faut pas lui laisser trop d'avance à Terpstra. Hein. Allez, c'est parti. On est bien dans sa roue, à Nikita Terpstra. Il reste un tour de circuit. Normalement, ça devrait aller au bout, je pense. On va pas collaborer, on va pas prendre de relais. Allez, les 10 dernières bornes. On va prendre notre gel avec Florian Vachon. J'espère que ça sera bon, ça sera pas trop juste. Mais le peloton est pas très loin là-bas quand même. Hein. Polyte, en tout cas, c'est terminé pour lui. Allez, on va donner les gels bleus derrière. Nous, on va rester dans la roue de Nikita Pstra, hein, parce que là. Là, le final va être chaud. Eh ben, il faut que tu les exportes. Tu fais contrôle E et ça te les exporte. Ça, voilà, c'est pas compliqué. Il te faut exporter l'étape. Tu la mets sur PCM, tu mets le nom que tu veux. J'avais fait des tutos. Va voir mes tutos sur ma chaîne. J'avais fait plein de tutos. Allez, face à Terpstra, je pense que celui qui passe en tête là dans cette difficulté peut aller très très loin. Le peloton ne reviendra pas. Allez, Terpstra, est-ce qu'il accélère? Non, pas d'accélération de Terpstra pour le moment. Allez, on attaque ici. Avec Florian Vachon, on a pris quelques mètres d'avance. Par contre, Barguil derrière. Bah, toute notre équipe derrière, d'ailleurs, va suivre les attaques. Voilà. Allez, on va basculer avec un peu d'avance. Sur Nikita Terpstra, bien joué. Et il y a la victoire de Florian Vachon au bout, sans doute. Ouais, il reste quand même 5 bornes encore. On va pas non plus. On va pas non plus dire que c'est gagné. Il y a Terpstra derrière qui peut rentrer. Voilà, on se met quand même en position aéro histoire de récupérer un poquito. Voilà, dans Saint-Just-Rambert là. Et maintenant, on va attaquer du coup les 3,5 km restants. Est-ce que Terpstra va réussir à rentrer? Très bon rouleur, Niki Terpstra, bien évidemment. Là, il va rentrer, Niki Terpstra. C'est qui le plus rapide entre nous deux? Ouais, Greipel a été distancé derrière, par contre. Attention, Terpstra, il roule très très fort, là. Attention à Terpstra. C'est pas gagné encore. Allez, la ligne d'arrivée est là-bas. On va essayer de lui mettre un petit coup, là, de... Une petite attaque de loin. Allez, est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est bon pour aller chercher le succès d'étape? Terpstra va essayer de rentrer derrière, mais je pense que c'est bon quand même. Et oui, la victoire donc avec Florian Vachon. Voilà. Victoire donc de Florian Vachon devant Niki Terpstra. Allez, ça fait plaisir de remporter l'étape. Et oui, Florian Vachon qui remporte l'étape. Allez, victoire avec Vachon et Barguil qui termine bien quand même, il fait un top 20. Et c'est Groenewegen qui règle le sprint du peloton derrière. Bon, on va partir pour la prochaine étape. On espère que là, Greipel pourra y aller à Vittel. On va envoyer encore un mec dans l'échappée, je sais pas qui. Je ne sais pas qui. On va voir. Salut Samuel, ça va très très bien. Bah tiens, on va s'envoyer Kevin le Danois. Anthony de la Place, tiens, Anthony de la Place, il va partir dans l'échappée. Tranquillou.
on a les casques jaunes en plus. Ouais, mais il faut que tu le mettes dans le dossier CM stage. La mise à jour, ça fait longtemps. Ben, est-ce que t'as regardé mon... Regarde le tuto que j'ai fait, tu comprendras mieux que si je t'explique comme ça. Oh, qu'est-ce qui me fait de la place, j'ai demandé d'attaquer. Ah, ça y est. Regarde le tuto, j'avais fait un tuto il y a... l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans, je sais plus. Tu verras. Eh oui, on va essayer de s'imposer avec Gripple. Après, ça sera avec Barguil de toute façon pour les prochaines étapes. Et devant, il y a le maillot blanc. Il y a Terpstra, du coup, deuxième du général. Ouais, on va pas le laisser partir non plus, Terpstra. Quoi qu'on y a de la place de pas rouler à la limite. Hein. Voilà, ça maintient l'écart. De toute façon, je pense qu'il y a des formations qui veulent pas le laisser partir. Et puis sur les prochaines zaps, il est pas très dangereux, donc voilà. C'est pas très très grave. Florian Vachon est là avec son maillot jaune, ça fait plaisir de le voir là, Florian Vachon. On est à combien de temps de live là? On doit être à 2 heures, un peu plus, non? Ah, 3 heures quasiment! Oui, effectivement. Je pense qu'on va peut-être terminer ce My Tour, les gars, et en faire un petit après. Voir un championnat du monde. C'était un petit championnat du monde, si vous êtes chaud. Et ensuite, je pense qu'on arrêtera. Ou sinon, on se refait. On reteste le online, voir si ça fonctionne. Allez, avec Gripple, on se replace là pour le sprint intermédiaire. Il y a Viviani devant. Allez, à 2 km. On est bien placé dans des bonnes roues là, j'ai l'impression. Sagan, Groenewegen. Allez, ça se replace à 1,5 km là du sprint intermédiaire. Allez, c'est parti donc pour le sprint intermédiaire. Avec André Gripple. On est dans la roue de Nizzolo. On essaye de faire l'effort là pour remonter. Groenewegen est très très fort. Et donc, c'est Viviani hein, qui l'a réglé. Pascal Hon aussi a fait un très bon sprint. Cette fois-ci, Gripple, par contre, on va pas le laisser partir. Hein. Bon, de la place, il a été distancé devant. Qu'est-ce qu'il me fait, Anthony de la place? Bon, ben, Anthony de la place, il va se relever. Et on va faire rouler. Hop, on va juste faire ça. Hop. Et hop. Histoire d'aller peut-être au bout, jouer une victoire d'étape. Réduire l'écart quand même, ça peut être sympa. Mais bon, après, il faut terminer ce My Tour. Je pense qu'on en a encore pour quelques minutes avant qu'il soit terminé. Pourquoi Barguil se met en protection de Gripple? Oh non! Barguil, faut qu'il reste là. Bah, tu mets un tuto au stage editor, à mon avis, tu le trouves quoi. Bon, par contre, ça revient pas, ça m'énerve un peu. C'est impossible quoi, je roule comme un fou, je suis la seule équipe à rouler. Tuto stage editor, tu l'as direct installé
Sur les quatre premières vidéos, il y en a trois que j'ai fait moi de vidéos sur le stage éditeur, donc tu trouveras, hein. Ouais, on donne tout, on va encore se battre pour des places d'honneur. Ils sont 6 devant, donc on va même pas pouvoir se battre pour un podium, ça m'énerve un peu. Bon, c'est pas très grave, mais bon. On est la seule équipe à rouler. Allez, essaye de remonter tout ça. C'est dommage. Ouais, regardez, c'est passé à 1,33 désormais. Ouais, mais bon, ça reviendra pas, hein. On va pas reprendre 1,33 en 3 bornes, hein. Bah parce qu'il faut que tu le changes dans l'éditeur, ça, Warren Barguil, champion de France. Tous les champions nationaux, faut que tu les changes, ils font pas de mise à jour pour ça. Tu vois, dans l'éditeur du jeu, tu vas sur Warren Barguil, tu le mets champion de France. Ah, une 16, c'est dommage, hein, on ne passe pas vraiment loin. On a fait vraiment un très bon travail avec notre équipe. Allez, on va le lancer avec Greipel, là, dans la petite portion descendante. C'est Terpstra qui gagne l'étape, qui va prendre le jaune du coup. Et avec Greipel, on va chercher une. C'est dommage, on était le plus fort au sprint en plus avec Greipel. Bon, allez, on va partir pour les étapes avec Barguil maintenant, du coup. Allez. Ouais, on fait une bonne étape, on fait 7, hein. On bat les meilleurs sprinteurs, mais malheureusement, il y avait du monde devant. Et de la place, il n'a pas tenu, je sais pas trop ce qu'il a fait. Allez, maintenant on a Fontanès. On va essayer de faire une belle étape. On va essayer de faire une belle étape. Allez, Warren Barguil en pic de forme, ça c'est super. On verra après ce qu'on fait, parce que on est quasiment à 3 heures de live, donc on arrêtera peut-être après, ou on refera une seule course, ou on testera un peu de multi, pourquoi pas. On va envoyer Maxime Bouet devant. Voilà, collaborer. Jusqu'au prochain. Du coup, les tutos stage éditeur, tu les as vus ou pas? Où je te mets le lien, je te balance le lien si tu veux, hein, du stage éditeur. Ça, c'est le tuto que j'avais fait il y a 2 ans, où j'explique à la fin comment t'exportes et tout. Je vous avoue que j'ai quand même hâte que le 2019 sorte. Il n'est pas sorti encore. Hein. Je vérifie tous les jours hein, s'il sort. Dès qu'il sort, de toute façon, je pense que je vous ferai une petite présentation. Mais non, il n'y est toujours pas. C'est dommage, c'est dommage. Moi, il marche le mode online. Hein. Sur PS4, après. Ça marche pas tout le temps, mais des fois ça marche. Moi j'ai pas trop de bugs, ça va. Je suis avec Arkea. Je suis avec Arkea, Arkea.
Papapapam. Ouais, le sprint intermédiaire, clairement, ça m'a gavé, je l'ai fait même pas. Je t'ai balancé le lien, Romain, un peu plus haut. T'as le lien juste en dessus. Avec Ineos, t'as un My Tour qui va arriver bientôt. Salut, salut, viseur. Allez, Fontanès, devant, on a une belle échappée quand même. Tapstra, il est encore là du coup. Ouh, il y a eu une belle gamelle là-bas. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui est tombé. Ouais, j'ajoute mes abonnés, mais j'ajoute après, là, je suis en live, c'est pour ça. Allez, l'ascension. Il y a King du coup qui est seul devant. Derrière, on a Kelderman, Cher, Perrichon, Stuyven, Meurice. Bah, merci beaucoup. Bien sûr, je vais en faire d'autres, hein, des petits My Tour là. Et de toute façon, il y aura la rediff du live aussi après. Allez. Je crois qu'après, il y a un enfin, il y a un petit bug, je crois, pour la rediff du live. Que j'avais fait avec la ONC l'autre jour sur PCM quand j'avais fait un tour 94 avec Zouleu. Mais je l'ai montré sur la vidéo 10K. Après, voilà, c'est juste que j'ai pas de caméra pour filmer en permanence. Donc voilà pourquoi je le monte pas. Après, ça me dérangerait pas. Mais il est sur la vidéo des 10K de la semaine dernière si vous voulez le voir. Ouais. Ouais, le Maïtour avec Sagan, ouais, bah, je vais en faire un autre. Hein. Il y a Alaph, j'ai dit, qui arrive. Il y a Bernal. D'abord Bernal, après Alaph. Allez, nous ça va être chaud quand même avec Barguil là. Hein. On est dans le peloton. Mais on n'a plus trop de jus, il reste 4 bornes encore. Ça monte très très fort depuis le début. Regardez, ils sont tous en train de relancer là depuis tout à l'heure. Et en plus, cette ascension, c'est vrai qu'elle est bizarre avec ce petit faux plat montant. Ben merci beaucoup, Ludovic. Ouais, regardez, ça avance de fou là. Et nous, on suit comme on peut. Pourtant, qui est bien garni encore, hein, quand même. Mais là, pour rester dans les premières positions. Ouais, il y a des étapes de montagne. Après, avec Arkea qui arrive, t'inquiète pas. Et là, c'est chaud hein, pour suivre. Ouais, effectivement, là, on s'est vraiment bien cramé. Et le final est chaud. Allez, on suit comme on peut. Moi j'ai pas eu de bug de sauvegarde hein, cette année. Pour l'année dernière j'avais eu des bugs de sauvegarde du coup parce que j'avais perdu toutes mes données de la play. Mais voilà. Eh, merci Paul. Allez, dernier kilomètre. Il y a Mickaël Schär devant qui va aller s'imposer a priori. Et nous on va en terminer comme on peut là avec le groupe des meilleurs si possible. Lutsenko et compagnie. Allez, ça va être chaud mais on va en terminer au bon endroit je pense. Allez. Dis-moi que j'en termine. Ouais, j'en termine avec tout le monde là. Voilà. Allez. C'était chaud cette étape en tout cas avec Barguil. On était un peu en difficulté. Bon, c'est pas très grave, on peut pas toujours être au top, top. Bon, du coup, les gars, on aura Bora hein, pour la Vuelta. Confirmer l'équipe là, c'est sympa, franchement.
Sam Bennett, Drucker pour le sprint avec Archbold. La montagne, Gross, Shatner, Formolo, Maika, Mulbacher, Polanski en plus pour des petites étapes supplémentaires. Je pense qu'on va se régaler. Hein. Pour la Vuelta. Allez, on va donc voir combien on est avec Warren Barguil. Est-ce qu'on perd du temps sur les meilleurs ou pas? 9 secondes. Non, on est avec tout le monde. C'est Cher qui s'impose devant Alaphilippe, du coup. Non, sur Xbox, je crois qu'il n'y a pas eu la mise à jour. Du coup, il n'y est pas. Ben, cette année, en fait, ça se joue entre Bora, du coup, et Quickstep. Du coup, j'avais mis un vote. Et c'est Quickstep qui avait gagné, donc pourquoi pas l'année prochaine avec Bora, même si l'année prochaine ça pourrait être Cofidis, pourquoi pas, on verra l'année prochaine. Hein. On a encore presque un an. Bah, il y avait quand même le Big Bang Tour qui a terminé hier, il y a eu les championnats d'Europe, il y a eu, la Classica San Sebastian. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'étapes plates, mais je pense qu'on va se régaler. Mais bon, avec Bennett, ben on va essayer de claquer toutes les étapes plates parce que c'est un des meilleurs sprinteurs qu'il y a. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas énormément de sprinteurs sur la Volta. Donc, sur le Big Bang Tour, on l'a vu que face aux meilleurs, les Groenewegen et tout, il a quand même fait 3 victoires d'étape d'affilée. C'est le sprinteur en forme du moment. Allez, Elie Gébert tient dans l'échappée, ça peut être sympa. Terpstra, du coup, il a conservé son maillot, hein. Duggan Kolb, ouais, il y a Duggan Kolb, il me semble, mais c'est pas, on va dire, un gros, gros sprinter. D'ailleurs, au niveau des gros sprinters, c'est pas ouf, hein. Ouais, non, il n'y a pas grand monde. Il y aura Phil Baos, à la rigueur. Il y aura, ouais, non, Ventoso, même pas. Il y aura Cavendish. Bon. Ouais, pas non plus de gros sprinter côté Katusha. Ouais, Yoga Gaviria aussi, voilà, Gaviria. Ouais, il y a quelques sprinters, on va dire, mais c'est pas... pas ouf. On va dire, il n'y a pas de Groenewegen et compagnie. Bon, après, il y a... Oui, ou Cavendish, oui, je pense pas qu'il gagne, mais bon, il pourra faire peut-être des places d'honneur. Après, c'est vrai qu'il y a Gaviria. À voir comment Gaviria est. C'est vrai qu'on a un petit point d'interrogation sur Gaviria en ce moment. Je sais pas pourquoi il n'y a pas les championnats d'Europe. Après, il y a quelqu'un peut-être qui l'a créé, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, avec Cavendish, après il est vieux, hein, mais bon, c'était quand même un coureur de fou, hein. C'était quand même un sacré coureur. Bon, on aura quand même fait un bon live, hein. Ben non, parce que bon, il est boycotté un petit peu. Carrière Education First. Je fais pas de carrière avec Kiev Education First, moi. C'est Tutur qui fait Kiev. Ouais, il est boycotté un peu par Cofidis Boigny, c'est pour ça qu'il a pas pris, hein. C'est la direction du vent, la flèche en dessous de la vitesse. C'est la direction d'où vient le vent, c'est une manche à air. Bah forcément, en Cavendish, enfin, c'est comme tous les sprinters, au bout d'un moment.
Allez, Ligier vers devant, qui est pas mal, mais bon, je pense que ça va se faire reprendre, parce qu'il y a une belle échappée quand même. Avec FDJ, celle que je fais en live, je sais pas, je ferai peut-être en live cette semaine. C'est vrai qu'il joue pas mal de malchance aussi, un Cavendish. Depuis quelques années, ses chutes et tout. Allez, on va reprendre là notre gel, puisqu'on a vraiment plus beaucoup de forme. C'est bizarre d'ailleurs qu'on perde autant d'énergie là sur toutes les étapes. Je comprends pas trop, je vous avoue. Là, ça va se calmer. Je pense qu'on va laisser l'échappée partir jusqu'au bout. Et qui est parti? Il n'y a personne. Allez, Alaphilippe qui y va là dans les 5 derniers kilomètres. Bah ouais, voilà, c'est des sprinteurs qui se font vieux et c'est compliqué à tenir sur toute une carrière. Hein. Souvent, les sprinteurs ont quelques années où ils sont très costauds. Je trouve que Cavendish a eu quand même une belle longévité. Et après, au bout d'un moment, bah, s'il n'y a plus rien, quoi. Allez, voilà, on laisse passer les autres équipes. Parce que là, ça devient chaud quand même avec Wawa. Allez, Valverde qui va rouler. Ouais, il a eu la chute avec Sagan et tout. Bon, après, voilà, il était quand même un peu redescendu à son niveau. C'est depuis, je crois, 2015 qu'il a fait un gros, gros tour. 2016 aussi. 2016, pardon. Ouais, 32 ans, mais ça fait 10 ans qu'il a... Enfin, ça fait même plus que 10 ans, quoi, qu'il est énorme. Donc, au bout d'un moment, ça craque, hein. Ouais, il y a la chute avec Sagan sur l'étape de Vittel que Demar gagne. Ah, la Philippe monstrueux en tout cas devant, il est déjà deuxième au général. Il va pourquoi pas aller chercher le succès. Et nous on essaye de s'accrocher avec Warren, mais c'est chaud hein. Regardez, à la Philippe, il a fait la gifle hein. Alors on essaye de s'accrocher là comme on peut, mais je pense qu'on va perdre peut-être un peu de temps. On va perdre du temps là avec Warren Barguil. Enfin, il en remporte 4, je crois, en 2016, hein, un truc comme ça. On perd beaucoup de temps là avec Warren. Dommage. Il va rester donc une étape dans ce My Tour et pas top pour le moment. Il est pas top, il est pas top ce My Tour. Bon, c'est pas très grave, hein, on peut pas toujours gagner non plus, parce qu'on a fait de bons My Tours avant, je trouve. Mis à part le Paris-Roubaix, que j'ai foiré un peu avec Van Aert, qui était quand même en mauvaise forme. Après, on se débrouille pas trop mal. C'est Alaphilippe, hein, du coup, je crois, pour la victoire devant. Alaphilippe, non, même pas, il se fait débloquer par Kiato. Et Bernal qui fait 2. Ok. Rudy, bah, c'est toi qui cherchais non le comment ça s'appelle le tuto tout à l'heure. Il me semble hein, que c'était toi. Je sais pas si t'es allé le si tu l'as trouvé ou pas du coup. Et, au général, on a bien baissé. Du coup, sur l'étape de la Reims, il faudra tout tenter. Faudra tout tenter sur l'étape de la Reims. Ah d'accord, ok, ben bah nickel. Allez, on va prendre Warren et on va le laisser dans le peloton. C'est que c'est chaud avec Warren là, ce My Tour. Bon là on fait quelques petits My Tour tranquillou mais ça va pas tarder à se terminer. Ça fait un peu plus de 3 heures qu'on y est donc voilà.
Ouais, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu des cycles en fait, hein, pour les sprinteurs. C'est vrai que c'est très compliqué de rester hyper longtemps. Cavendish, je trouve qu'il a resté longtemps. Mais vous voyez par exemple un Kittel, il a eu de très belles années, mais bon, au bout d'un moment, eh ben, ça coince un petit peu, quoi. Excusez-moi pour le petit truc FDJ, c'est juste je modifiais ça, je mettais mon compteur d'abonnés pour le truc FDJ. Ouais, voilà, c'est des cycles après les sprinteurs, c'est vrai que. Alors. Je trouve qu'on a quand même fait un bon petit live. C'est quand même depuis 3h05, non plus peut-être. Ouais, 3h, un peu plus de 3h quand même. Tout cas, je suis content, vous avez été nombreux tout le long du live, ça fait bien bien plaisir. Je pense qu'on va arrêter après cette étape parce que c'est un peu fatigant de faire 3 heures de live, je vous avoue. Dernière fois, les 3h42 avec la ONCE, là, c'était fatigant aussi. C'est intense, c'est vrai, il faut tout le temps parler et tout. J'essaye de parler comme il faut. Puis le casque sur les oreilles, au bout d'un moment, ça fait un peu mal. Allez, le Tourmalet. Et après, vous connaissez hein, le final qui est violent. On va essayer avec Warren, après je garantis vraiment rien. Monard, tu vas prendre ton gel. J'ai pas donné au bon moment. Allez, là on est à la Mongie. Regardez, Warren Barguil, il a deux doigts de craquer. Parce que Kittel, il est plus chez Katusha. Oh non, pas maintenant! Oh non, le jeu qui bug. Allez, on attend un peu. Voilà, c'est bon, ça va mieux. Putain, mais c'était chaud avec Warren là. Le nouveau mode légende, il est beaucoup plus chaud qu'avant, quoi. C'est limite trop dur. Parce que bon, vous avez vu, on s'est fait distancer sur toutes les étapes limite avec Warren, alors que bon. Mais Kittel, il est nulle part là pour le moment. Il a rompu son contrat avec Katusha. Du coup, il est sans contrat en quelque sorte. Je sais même pas s'il va revenir. Hein. Il a dit que. Enfin, il a pas dit s'il revenait ou pas. Kittel a pas d'équipe. Ouais, par contre, avec Barguil, on se fait distancer un peu pour rien. C'est bizarre. Alors, quand même, il a des bonnes notes en montagne et tout. Il y a Landa qui est attaqué devant. Il est loin. Landa aussi au général. Allez. Non, il est pas mauvais, Marechko. Après, le problème, c'est qu'il sait pas passer un pont d'autoroute, quoi. Regardez, non, mais c'est n'importe quoi. 43 km, Barguil en défaillance. Ouais, c'est mort. Il y a un problème, là. Barguil qui fait une défaillance aussi loin, c'est pas normal, hein. Ouais, c'est mort, hein. Bon les gars, je suis désolé, mais vous voulez faire quoi avec un Barguil qui fait une défaillance à 50 bornes de l'arrivée? Bon, on est avec Yates, c'est tout en plus. Conrad, Goju. Ouais, je comprends pas trop là ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas trop la peine. Hein. En bonne forme, ouais, en bonne forme en plus quoi.
Bah, c'est mort, regardez, avec Alaphilippe et tout, c'est mort. Regardez, il fait défaillance sur défaillance. Bon, j'aime pas terminer sur ça. Terminer 20e de l'étape, si tu veux. Mais bon, ça fout quand même bien les boules, parce qu'on fait rien. Allez, on va faire la descente. On a combien? On a 4 minutes, 5 minutes de retard. 4 minutes, très bien. Regardez la barre qu'il a. Enfin, limite, il a plus de bleu. Alors qu'il est censé quand même être plus costaud. Je comprends pas trop là. C'est bizarre. Ouais, ça arrive après qu'il y ait des coureurs qui gagnent pas, hein, comme ça. Après, Thomas perd 3 minutes, hein. Ouais, c'est quand même bien, bien parti. Il y a Pinot, du coup, et Bernal devant. Donc, attention aussi, là, pour la victoire d'étape devant. Allez, nous, on essaye de remonter. Ouais, on s'est fait lâcher un peu, on s'est quand même fait lâcher à 50 bornes, hein, donc voilà. Olivier, je suis en live, donc c'est pas trop possible que je te réponde, je suis désolé. Démonter avec Warren Barguil là sur la barre, incroyable. Est-ce qu'on arrive à faire la jonction peut-être sur le groupe Olaf avec le champion de France là? Au moins rentrer sur le groupe Olaf, ça serait pas mal. Ouais, elle est violente l'étape là quand même. Les Barguil distance à 50 bandes de l'arrivée. Bah, j'en sais pas quand est-ce qu'on pourrait parler, mais je t'avoue que sur la play je réponds pas trop parce que c'est quand même assez chiant de parler sur la play. Donc si tu veux m'ajouter au pire sur Twitter, tu peux. On va terminer avec Alaphilippe, Valverde. Et le groupe de devant, il y a Geraint Thomas à la rigueur, mais on rentrera pas sur Geraint Thomas, hein, je pense. T'es avec qui Thomas? Et il est avec Kruijswijk quand même, hein. Il y a eu de gros écarts sur cette étape, mine de rien. Ouais, non, mais je vais pas te donner mon numéro de téléphone. Allez, le final, on va terminer, je pense, dans les 15 premiers. C'est dommage, hein, parce qu'on fait pas, on n'a rien pu faire sur cette étape, malheureusement. Allez. Hop. Voilà. Donc, c'est pas si dégueu non plus ce qu'on a fait, hein. Allez, c'est pas si dégueulasse non plus ce qu'on a fait. Non plus, je te donne pas mon Insta, c'est Twitter pour le pour YouTube, t'as mon Twitter si tu veux. Ouais, ça peut être sympa, Viviani à la Cofidis, ils ont fait un très bon recrutement avec Guillaume Martin aussi. Bon, on va arrêter là le live, les gars, parce qu'on est quand même à 3h26. 3h26. Donc, on va partir. On va arrêter ici. On en refera un cette semaine. Pas demain, du coup. Demain, pas possible. Mercredi non plus.
Ça sera jeudi qu'on en refera un. Voilà, donc on va regarder devant que je sais pas qui s'est imposé. Non, là je vais faire un truc. Mais envoie-moi un message en privé, je te répondrai après. J'ai dit sur Twitter, c'est mieux, je réponds plus facilement. Bernal qui s'impose, le jaune pour Bernal, vert pour Terpstra, blanc pour rouge pour Woods et blanc pour Bernal. Parce que c'est hyper chiant de répondre aux messages sur la play et en plus j'en ai plein donc c'est affreux à chaque fois de répondre, tape à la manette les messages et tout, donc c'est pour ça que je préfère Twitter pour répondre, c'est mieux. On fait 12ème de l'étape avec Warren. Et au général, on fait 11ème. Bon, c'est pas dégueu, mais c'était chaud, chaud, chaud. Hein. C'était violent. Allez, c'est terminé donc pour ce live, les gars. J'espère en tout cas que ça vous a... Que ça vous a plu. C'est vraiment... Non, Insta non plus. Je t'ai dit que je le donnais pas. C'est un truc privé. Donc, j'espère que ça vous a plu, les gars, ce petit live. On se retrouvera jeudi, je pense, pour un autre live. On fera pourquoi pas du PCM. Avec. Ben pose-moi les sur la Play ou sur Twitter, je t'ai dit. Se faire un live sur PCM. Voilà, tranquillou. Je pense qu'on continuera la carrière avec l'équipe FDJ. Je vous dis donc à la prochaine, les gars. Passez une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.